Si, on va faire des choses. On va faire des choses, hein, quand même. Déjà, t'as pas dit ta phrase que tu dis tout le temps quand tu rentres. C'est reparti ? Il y a ça, c'est reparti. Ça ping. Voilà, est-ce qu'on a bien mangé ? Et est-ce que vous avez bien mangé, effectivement ? Oh, tiens, j'ai oublié mes lunettes. Est-ce que vous avez bien mangé ? Mine de rien, ça fait plaisir. Mine de crayon. Oui, vous avez bien mangé. Et bien, ça, c'est chouette. C'est déjà un bon truc. Ça va, bon. C'est une journée sans raclette, c'est. Bah, j'ai mal mangé. Voilà, j'ai pas mangé de raclette, donc forcément. Je suis pas bien, quoi. Je suis pas fou. Ça va être dur jusqu'au mois prochain. Mais oui. Effectivement, ça va être dur. Ça va être dur. Ah, il y aura peut-être des jours où il y aura peut-être des pizzas quand même, ou des burgers, tu vois. On compensera un peu. Mais ça vaudra pas de raclette. Ah, mais ça vaut pas la raclette. Hein. La raclette, on est sur le top du top, quoi. Est-ce que tu manges à l'extérieur ou c'est toi qui te prépares ta nourriture du midi ? Ça dépend. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, c'est l'extérieur qui vient ici. Je vais te réfléchir là-dessus. Oui, tu peux emporter, quoi. Non, c'est l'extérieur qui vient de lui-même. Tu restes, hop, ça arrive tout seul. C'est une commande qui vient. Un délivre ou quelque chose. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Donc, on en était où ? On avait mis trois nouveaux clients. Ah bah oui, vous aviez fait production. Oui. Production avec... et puis après, les gens du service informatique, ils accédaient à, en modification à tous les... tous les sous-dossiers. Des questions ? Non ? On continue ? Parfait. Alors, l'exercice de tout à l'heure, c'était il fallait que tous les gens du service informatique accèdent en modification à tous les dossiers. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs solutions pour le faire, ça. Alors, on en a choisi une. Il y a une autre solution. Alors, l'autre solution, malheureusement, c'est peut-être celle que vous allez souvent rencontrer. Moi, je ne l'aime pas, mais c'est comme ça. C'est celle qu'on voit souvent. Tout le monde voit le stream ? Pardon, je n'ai pas vérifié que ça streamait. Ouais, c'est bon. Là, il y a du stream. Est-ce qu'il y a le chat ? Ouais, c'est bon, il y a le chat aussi. Donc, je disais, voilà, autre solution. Donc, vous voyez, je suis sur le serveur 1, dans l'unité d'organisation qui s'appelle... Ben, je suis dans informatique. Et voilà ce que je vais faire. J'ai fait un nouveau groupe, et le groupe va s'appeler service informatique. Dans ce groupe, je vais mettre tous les salariés du service informatique. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis mon groupe, et dans les membres du groupe, il y a tous les gars. Jusque-là, ça va ? J'ai créé un nouveau groupe qui s'appelle Service Informatique, et j'ai mis les trois salariés du service informatique dedans. Est-ce qu'on doit le faire ? Non, je vous explique une autre solution, c'est tout. Je vous explique une autre façon de faire. Si vous voulez le faire en même temps, vous le faites en même temps. Non, monsieur, c'est tard. Ou pas, je sais pas, j'hésite. On le fait, on le fait pas ? Mais c'est une méthode que t'aimes pas, donc... Oui, mais c'est une méthode que vous allez rencontrer dans la vraie vie, donc faites-le. Est-ce qu'on peut l'avoir, la juger, et ensuite, si on aime... Mais tu vas juger que tu l'aimes pas, mais tu vas la croiser quand même. Tu vois, moi, j'aime pas les supporters de l'OM, et pourtant, j'en croise de temps en temps. Hein. C'est comme ça. Parce qu'il y a des administrateurs qui l'utilisent, cette méthode. Donc, vous allez faire ça. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dans l'unité d'organisation informatique, vous me faites un nouveau groupe qui s'appelle Service Informatique, et vous mettez tous les salariés du Service Informatique dans le groupe Service Informatique. On fait ça ? Oui ? Non, rien. Non, vous le faites pas ? Ah bon, le faites pas. Non, rien. Non, rien. Oui, rien ? Non, rien. Non, rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, je crois que je regrette rien. Non, attends. Jamais rien regretté dans ma vie. Ça n'a rien de rien. Voilà. Et ce que vous allez faire maintenant,
C'est le groupe service informatique que vous allez ajouter dans les groupes, accès, dossier, etc. Donc je vais faire ça. J'ajoute mon groupe service informatique. Je fais clic droit de souris, ajouter à, ajouter au groupe. Et je l'ajoute dans accès dossier compta, accès dossier info, accès dossier production, accès dossier RH. Bah là, on vient de faire deux fois la même chose. On a fait deux fois la même chose. Non, deux fois plus vite. Moins. Alors, ça se discute. Mais la différence, c'est que tout à l'heure, on a pris directement les membres sans faire un... Un groupe. Un sous-groupe. Oui, c'est ça, si on veut un sous-groupe. Et là, on a fait un sous-groupe. On a fait un sous-groupe, alors, on a déplacé les membres dans le sous-groupe. Non, on les a pas déplacés. Enfin, on a mis les comptes utilisateurs dans le groupe service informatique. Un sous-groupe, si tu veux. Et ce sous-groupe qu'on a mis après dans tous les groupes qui permettent d'accéder au dossier. Pour quelle raison il ferait ça ? J'imagine qu'il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, effectivement. Cette méthode, elle a un avantage. Vous avez un nouveau salarié du service informatique qui arrive. Il y a un nouvel informaticien. On va le créer. Donc, au service informatique, j'ai un nouvel utilisateur. Je vais créer un nouveau compte. Donc, mon nouvel utilisateur du service informatique, c'est... Kylian Mbappé. C'est... Ah, fait comme ça, donc je crée un nouveau compte. Et bien sûr, ce nouveau salarié du service informatique, Kylian Mbappé, il faut qu'il ait les autorisations du service informatique. Il faut donc qu'il accède en modification à tous les dossiers, compta, RH, etc. Et bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est très simple. Je vais l'ajouter à un groupe. Je vais l'ajouter à quel groupe? Au groupe qui s'appelle Service informatique. Donc, le compte utilisateur Kylian Mbappé. Il est membre du groupe Service Informatique. Et le groupe Service Informatique, il est membre de Accès Dossier Compta, Accès Dossier RH, Accès Dossier Production, Accès Dossier Informatique. Donc, Kylian Mbappé accède à tous les dossiers en modification. C'est ça l'avantage de cette méthode. Mais si j'aurais rajouté ce client-là sans avoir fait le sous-groupe Service Informatique, le rajouter dans les groupes, dans le groupe accès dossier compta, oui. Ça aurait fonctionné aussi. Non. Donc, oui, vas-y. Pardon, vas-y, finis ce que tu voulais dire. Donc, si tu ajoutes Kylian Mbappé, dans quel groupe? Parce que moi, je l'ai déjà. Bon, bref. Je rajoute Pierre-Paul Jacques dans le U Info directement. Ça ne fait rien, ça. Oui, enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Après, il faut le mettre dans des groupes. Et après, ensuite, je le prends, je le mets dans le. Moi, j'ai fait au début, je le mets directement dans le groupe. Lequel? Le compta, info, RH. Donc, c'est ça. Dans pas le groupe, dans les groupes. C'est ça qui change. Là, je viens de créer un nouvel utilisateur, Kylian Mbappé. Je l'ai ajouté dans combien de groupes là? Un seul. Et c'est le groupe service informatique qui, lui, était dans tous les autres groupes. Alors que ce matin, si vous faites un nouveau employé du service informatique, il faut l'ajouter dans... 4 groupes, 5 groupes, c'est beau parce que là, des dossiers compta RH, j'en ai 3, j'en ai 4. Mais dans la vraie vie, il y en a combien? Des services dans une entreprise, il y en a combien? Il y en a des dizaines. Il y en a peut-être des centaines. Donc ça veut dire que mon ami Kylian, il faut que je l'ajoute dans des centaines de groupes. Ça peut être très long. Alors que là, je mets dans un groupe. Et c'est bon. Vu que c'est le groupe service informatique... que j'ai ajouté dans des centaines de groupes, mais ça, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait au début. Après, c'est fini. C'est le même principe que de faire sa base dans le domaine qu'on réplique sur d'autres. Enfin, je comprends pas ce que tu dis. C'est le principe d'AD, en fait. Mais en sous-groupe. Si tu veux. Enfin, ouais. Je comprends pas ce que tu veux dire. Oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'as... propriété de service informatique, alors attends, peut-être que le stream il est frisé, non. Propriété de service informatique,
J'ai ma réponse. Tu n'étais peut-être j'ai pas dans le bon onglet. C'est l'onglet membre de. Non, non, en fait, je croyais que tu avais sélectionné Kylian. Et en fait, c'est service informatique exact. Qui est sélectionné. Oui. La flèche, c'était pour dire Kylian est, dans, est membre du groupe service informatique. Et le groupe service informatique est membre des groupes accès dossier contact, accès DRH, etc. Et ce que je suis en train de vous montrer là, mettre un utilisateur dans le fameux sous-groupe que tu dis, Samir, et mettre le sous-groupe dans d'autres groupes, eh ben, c'est ce que dit Microsoft qu'il faut utiliser comme technique. Comme philosophie d'administration des autorisations. Bill, il a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et ça porte un nom, cette technique. La technique, c'est AGDL. Autrement dit, AGDLP. AGDL. C'est dur à dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AGDLP, hein, ça a une signification. Hein. Ça veut dire... Alors, peut-être que je l'écrive. Je vous l'écrire ailleurs. Je vais le résumer. Pardon. Donc A c'est pour account. Account en français ça veut dire compte utilisateur. G c'est pour global. Ça vous dit quelque chose global, groupe global? Quand vous faites un nouveau groupe. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on faisait un nouveau groupe, en bas, en dessous, il y avait écrit étendue du groupe. Et il y a domaine local, global et universel. Et je vous ai dit ce matin, ça sert à rien de s'occuper de ça. Ça n'a d'intérêt que quand on est en forêt multidomaniale. Donc, que dit AGDLP? Eh bien, il dit que les accounts, les comptes utilisateurs, il faut les mettre dans un groupe global. C'est ce qu'il dit comme philosophie. Donc, on prend les comptes utilisateurs, on les met dans un groupe global. Puis, qu'est-ce qu'il nous a dit, Bill? DL, ça veut dire domaine local. Donc, ce qu'il dit, Bill, il dit que les comptes utilisateurs, on les met dans un groupe global et le groupe global, on le met dans un groupe de domaine local. Donc, on met un groupe dans un groupe. C'est exactement ce que je viens de vous faire faire. On a créé un groupe qui s'appelait Service Informatique et on a mis le groupe Service Informatique dans les groupes qui s'appellent Accès Dossier Comptable. On a mis un groupe dans un groupe. C'est ce que dit Bill. Il dit, les comptes utilisateurs, il faut les mettre dans des groupes globaux. Les groupes globaux, il faut les mettre dans des groupes de domaines locaux. C'est ce qu'il préconise comme fonctionnement. C'est la méthode AGDL. Et le P, c'est pour permission. Ça me gratte dans l'oreille. Cette technique, elle me fume de rire. Vraiment. De se gratter l'oreille? Non, mais de faire comme ça. Ouais. Ça me... Je sais pas, je tourne la tête, je vois quelqu'un qui fait comme ça. Ça me fait rire, vraiment. Eh ben, c'est bien, il faut rire dans la vie. On a assez de problèmes dans la vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez certainement à GDLP. Si vous lisez des bouquins un jour... Non, je déconne, lisez pas de bouquins. Mais si vous voyez d'autres vidéos qui vont vous expliquer Active Directory, ça revient très souvent. Si vous travaillez avec des administrateurs qui ont eu la formation officielle Microsoft, on utilise AGDLP. Donc, on met les comptes utilisateurs dans des groupes globaux, on met les groupes globaux dans des groupes de domaines locaux, et on donne la permission aux groupes de domaines locaux. C'est le conseil officiel de Microsoft. C'est la façon dont il faut normalement mettre en œuvre la gestion des groupes, des autorisations et des comptes utilisateurs dans Active Directory. Et comme c'est la façon officielle, il y a plein d'administrateurs dans le monde qui ont été formés comme ça. Donc vous le retrouverez. C'est sûr. Pardon ? C'est la méthode de AGDPI, c'est la méthode de mise en œuvre des autorisations dans Active Directory. Voilà. L'objectif, c'est de gérer le P ici. Voilà. Cet objectif-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en œuvre
des permissions. Vous vous souvenez ? C'est quoi la définition de la sécurité ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Accorder des droits. C'était le KKK, la sécurité. Qui accède à quoi ? Comment ? Eh bien, le comment, Microsoft, il vous dit voilà. Le qui, vous créez des comptes utilisateurs. Le comment, c'est les permissions, lecture, modifier, etc. Donc, si vous voulez mettre ça en œuvre facilement dans votre entreprise, Microsoft, il vous conseille de créer des comptes utilisateurs, de mettre ces utilisateurs dans un groupe global, de mettre le groupe global dans un groupe de domaine local et de donner la permission au groupe de domaine local. C'est comme ça qu'il dit, Bill, qu'il faut faire. Ah bah les mecs ils ont réfléchi, hein, ça. Ils ont... c'est carré carré chez eux. Hein. Et ça sert mettre les comptes utilisateurs dans des groupes locaux et on donne la permission aux groupes locaux. Non, on met les comptes utilisateurs dans des groupes globaux parce que c'est globaux. Globaux. Tu vois le gros truc en rouge là, est-ce que tu vois écrit global ? Oui. Bah c'est un groupe global. Okay. Donc des groupes globaux. Un global, des globaux. Ok. Et on donne la permission aux groupes locaux. De domaine local, oui. On met des comptes utilisateurs dans un groupe local. Global. On met le groupe global dans un groupe de domaine local. Et on donne la permission au groupe de domaine local. Donc mettre les comptes utilisateurs dans un groupe global, mettre les groupes globaux dans des groupes locaux et donner la permission aux groupes locaux. Oui. Mais si tu veux être parfaite, c'est pas des groupes locaux, c'est des groupes de domaine local. C'est pour ça que dans l'exemple, il y a écrit DL comme domaine local. Donc si je résume encore une fois, on met des utilisateurs dans un groupe, puis on met le groupe dans un autre groupe, et on donne les permissions au deuxième groupe. Il y a souvent des pertes à ce moment-là du cours. Hein. Oh, oui, oui. Commence à mettre les groupes dans les groupes. Pourquoi on fait ça ? Inception. C'est ça. C'est Inception. Folie. Et encore, là, je prends les comptes utilisateurs, je mets dans un groupe, et le groupe, je le mets dans un deuxième groupe, et je donne les permissions. C'est ça. Donc on met un groupe dans un groupe. Ça, c'est ce que Microsoft vous préconise. Il vous dit, il faudrait faire ça. C'est pas tout ce qu'on peut faire. Donc moi, je vous ai dit, c'est AGDLP, hein, ça s'appelle ce truc. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc ce dont je vais vous parler maintenant, j'espère par contre que dans la vraie vie, vous ne le croiserez jamais. Moussa, dans son entreprise. Oh, Corel. Imagine ta Moussa comme je suis retourné là dans la boîte de dialogue de création d'un groupe là. J'ai fait nouveau groupe. Ils sont là, les fameux DL et G. Vous voyez le AGDLP. Microsoft, il dit vous allez créer un groupe global. Vous voyez ce qui est sélectionné, c'est global. Et ce groupe global, on va le mettre dans un groupe de domaine local, un groupe où on a choisi domaine local. C'est ça qu'il vous dit Microsoft. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? On pourrait imaginer faire un truc horrible. Alors, je vais l'écrire, on va voir si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'écrire ? C'est le déroulé, là, que tu es en train de dire. Tout à l'heure, la philosophie Microsoft, c'était AGDLP, c'est-à-dire Account, Global, Domaine Local, Permission. Ça là, c'est Account, Global, Global, Universal. Universel, Universel. Universel. Oui. Domaine Local. Domaine Local. Ça veut dire que, en fait, techniquement, c'est faisable. Vous pouvez prendre un compte utilisateur, le mettre dans un groupe global. Un groupe global, vous pouvez le mettre dans un groupe global. Un groupe global, on peut le mettre dans un groupe universel. Un groupe universel, on peut le mettre dans un groupe universel. Un groupe universel, on peut le mettre dans un groupe de domaine local. Et un groupe de domaine local, on peut le mettre dans un groupe de domaine local. Et encore, je me suis arrêté à deux de chaque. Hein.
Mais un groupe global, on peut le mettre dans un groupe global, qu'on peut remettre dans un groupe global, qu'on peut remettre dans un groupe global, qu'on peut remettre dans un groupe global. Vous remettre... Vous avez déjà vu les poupées russes? Oui. Ben, c'est ça. Le film. Non. Les poupées de cour. Les vraies poupées russes, les matryoshkas. Parce que c'est dans la grande, il y en a une moyenne, dans la moyenne, il y en a une petite, dans la petite, il y en a une toute petite. C'est ça. Et malheureusement, ça, je l'ai déjà vu dans la vraie vie. Je fais des audits chez des clients. Ils mettent des groupes dans des groupes, 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 dans des groupes. Et alors là, l'usine à gaz, elle est belle. Ah là, c'est une belle usine à gaz. C'est... T'es perdu, là. T'es complètement perdu. Exactement, t'es perdu. Parce que, je vous rappelle que la sécurité, c'est quoi? C'est qui accède à quoi, comment? Si au milieu, entre le qui, les utilisateurs et les permissions, comme je vous ai dessiné là, hein, tout en haut, il y a A, account, tout en bas, il y a P, permission. Si entre les deux, il y a 25 abrications de groupe, avant de savoir qui a accède à quoi, vous ne savez pas. Ça, moi, je l'aime pas, cette méthode. Tu peux pas faire comme on l'a fait au début. On prend... Ah non, mais on peut. Non, je sais. Techniquement, on peut tout faire. Maintenant, comme je ne connais pas tous les administrateurs du monde, comme je ne sais pas comment ils ont travaillé, et j'en ai croisé quelques-uns qui bossent avec les pieds, vous pouvez rencontrer ça. Voilà, c'est important de savoir que ça existe. On peut voir un mec qui met un truc dans un truc, dans un autre truc, dans un truc. C'est pas du tout le mieux. C'est pas du tout le plus simple. Mais ça existe. Donc il faut essayer d'éviter de faire ça au maximum, parce que sinon c'est imbitable. On est complètement paumé. Mais ça existe, malheureusement. Oh, vous allez essayer de ne pas le faire, bien sûr. Donc là, si on revient, on supprime le service... on supprime le groupe service informatique, c'est bon. Ah oui, mais voilà. Donc, si tu me dis... Je supprime le groupe qui s'appelle service informatique. Ouais. Bah en fait, tu fais tout sauter. Tu fais ça. C'est comme si tu avais fait A, G, P. Parce que tes utilisateurs sont dans un groupe et tu as donné les permissions au groupe. Enfin, c'est simple. Basique. C'est ce qu'on a fait ce matin. Cet après-midi, on a mis les utilisateurs dans un groupe et c'est ce groupe qu'on a mis dans un autre groupe. C'est plus compliqué, mais il y a quand même des avantages. C'est ce que je vous ai dit, il y a un nouveau salarié du service informatique, on le met dans un seul groupe. Automatiquement, il a tous les droits du groupe qui est intégré dans les autres groupes. Est-ce que c'est nécessaire de savoir ça? Oui, ah, c'est sûr que c'est nécessaire. De savoir... Les imbrications des groupes dans des groupes, oui, ça, c'est nécessaire de le savoir. Vous allez le rencontrer. Okay. C'est sûr. Donc il faut mettre quoi dans A, G, G, U, non, alors, dans vos notes, il faut mettre juste A, G, D, L, P. Là, ce que je vous ai mis, A, G, G, U, U, D, L, D, L, je vous ai dit, c'est une possibilité. Techniquement, c'est faisable. Et j'ai dit, j'espère que vous ne le rencontrerez pas. Mais ce que je suis sûr que vous allez rencontrer, c'est A, G, D, L, P, ça c'est sûr. Il y a plein d'administrateurs, il y a plein de sociétés qui travaillent comme ça. Et il y a des raisons, c'est parce que ça a un côté pratique. Ça a un côté pratique. Donc, est-ce que vous pourriez vous mettre en mode, si je puis dire, AGDLP, c'est-à-dire, je veux que vous créiez le groupe service informatique et que dans le groupe service informatique, il y ait tous les gens du service informatique et... que le groupe service informatique soit membre de accès dossier contact, accès dossier info, accès dossier production, etc. Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, ce que je voulais. Vous allez faire autre chose maintenant. Est-ce que vous pouvez nettoyer le contenu des groupes accès dossier contact? Par exemple, actuellement, dans le groupe accès dossier contact, il y a qui? Informatique. Donc attention, la vraie phrase c'est il y a le groupe service informatique. Il y a le groupe service informatique, il y a les utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs qu'on a mis à l'intérieur. 1, 2. C'était ce qu'on avait fait effectivement ce matin ça. Donc maintenant on va se mettre en mode AGDLP. Je veux que vous me créiez un nouveau groupe qui s'appelle service compta, un nouveau groupe qui s'appelle
Service RH. Un nouveau groupe qui s'appelle Service Production. Production, merci. Il y en a deux qui ne dorment pas. Et dans le groupe Accès Dossier Compta, je ne veux plus qu'il y ait les noms des utilisateurs là. Je veux qu'il y ait les groupes. Donc dans le groupe actuellement Accès Dossier Compta, vous m'enlevez tous les comptes utilisateurs et il n'y aura que deux groupes. Le groupe Service Compta et le groupe Service Informatique. Parce que c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé à ce que tous les membres du service comptabilité accèdent au dossier compta et tous les membres du service informatique. Je recommence. Donc je veux que cet après-midi, on fasse AGDLP. Donc pour faire AGDLP, il vous faut un groupe qui s'appelle service comptabilité. Il vous faut un groupe qui s'appelle service RH. Donc vous allez devoir le créer. On va le faire ensemble pour le premier. Donc vous allez dans l'OU Compta et vous faites un nouveau groupe. Vous l'appelez Service Compta. Je suis allé dans l'OU Compta. Oui, on va le laisser en global. Donc je répète, dans l'unité d'organisation compta, vous créez un nouveau groupe qui s'appelle Service Comptabilité. Dans ce groupe, qu'est-ce qu'on met? On met tous les membres du Service Comptabilité. Donc on ajoute ça au groupe Service Comptabilité. Une fois que c'est fait, que vous avez créé le groupe service comptabilité dans l'unité d'organisation compta, vous allez dans l'unité d'organisation groupe, vous allez dans les propriétés du groupe qui s'appelle accès dossier compta, et dans l'onglet membres, vous allez me sélectionner tous les comptes utilisateurs, et vous cliquez sur le bouton supprimer. Ça veut dire que si vous arrivez à faire ça, dans l'onglet membres du groupe qui s'appelle Accès Dossier Compta, il n'y a que Service Informatique. C'est le moment de dire j'ai raté une marche. J'ai raté une marche. Vous en êtes où? J'ai supprimé Service Informatique. C'est ballot, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais ça pose aucun problème. On peut cliquer sur ajouter. Une fois que tu as supprimé tous les comptes ou tu as supprimé service informatique, il faudra ajouter deux groupes. Dans l'onglet membres du groupe qui s'appelle accès dossier compta, vous avez deux groupes. Le groupe qui s'appelle service comptabilité et le groupe qui s'appelle service informatique. Le groupe qu'on vient de créer justement, tout à fait. Est-ce que tu peux formuler ce qu'on est en train de faire, s'il te plaît? Parce que en fait, j'arrive. Là, j'ai la tête, elle explose. En fait, je comprends pas ce qu'on. Là, je le fais, hein, machinalement. Tu me montres, je le fais. Mais en soi, là, je comprends pas ce qu'on fait. On met des groupes dans des groupes. C'est ça. On donne la permission à ce groupe, à ce dernier groupe. Exactement, c'est ça. Et c'est pour éviter d'avoir. On n'a pas les noms des utilisateurs en fait. Ouais. Du coup, on n'a que le nom des groupes. On regroupe tous les noms, les membres. Enfin, on regroupe tous les membres de ce service-là dans un groupe. Oui. Pour pouvoir leur donner la permission. Oui.
C'est toujours le même objectif. Je veux donner des autorisations à certains utilisateurs. Est-ce que c'est pas... Parce que s'il y en a 4000, comme tu dis, la reconnaissance, ça va être de 4000. C'est, pardon ? S'il y a 4000 membres. Oui. Bah là, il y en aura 4000. Oui, mais sans faire ce sous-groupe-là. Ah, si on ne fait pas le sous-groupe, ah oui, il faudra en mettre 4000 dans le groupe qui s'appelle Accès Dossier Comptabilité. Ce que je veux vous montrer, ce qui est important de voir ici, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose. Un peu comme souvent. Et il faut essayer, j'essaye de vous montrer, les différentes possibilités qui existent, parce que vous allez les rencontrer. Il faut que vous compreniez qu'on peut mettre un groupe dans un groupe. Et que ça fonctionne quand même. Déjà, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des utilisateurs dans un groupe. Et on a donné des droits au groupe. On a juste fait ça. Là, cet après-midi, ce qu'on va faire, on va mettre des utilisateurs dans un groupe, on va mettre ce groupe dans un groupe. Et les permissions seront appliquées quand même. Ça va fonctionner aussi. Comme souvent dans les environnements Microsoft, tous les chemins mènent au Rome. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Ah, vous devez les voir. Cette notion d'imbrication, hein, qu'on peut mettre des groupes dans des groupes, vous devez la connaître, vous allez la rencontrer. Donc, pour répondre à ta question, Nina, ce qu'on fait, c'est une autre façon pour donner qui, quoi, comment. Non, mais c'est bon, je me suis... Parce que ça, je le sais. D'accord. Mais en fait, ce que j'étais pas en train de saisir, c'est que on a créé un groupe... Oui. Dans Compta. Qui donc, s'appelle Service Comptabilité. Qui s'appelle Service Comptabilité. À l'intérieur, on a ajouté, moi, ça m'exaspère et ça me saoule. Des comptes utilisateurs. Des comptes utilisateurs. et eux, là. Non, je dis pas que ça c'est eux. Donc, tu les as mis dans le groupe qui s'appelle Service Comptabilité. Vas-y, continue. Qui est le groupe global. Exact. Et ensuite, je suis allée dans mon dossier groupe. Oui. À l'intérieur, je alors, c'est une OU, attention, dans l'OU groupe. Dans l'OU groupe. À l'intérieur, je suis allée dans l'accès dossier compta. Oui. Et j'ai ajouté à l'intérieur. Oui. Un groupe. Oui. Le groupe que j'ai créé qui est le groupe global. Qui s'appelle Service Comptabilité. C'est exact. Et tu m'as aussi, j'avais demandé, tu as enlevé tous les utilisateurs qu'il y avait dans le groupe accès oui, dossier compta. Oui, oui. Voilà. Ça va arriver à quel résultat ? Le même que tout à l'heure. On va arriver exactement au même résultat. Les utilisateurs du service comptabilité vont accéder aux modifications au dossier compta. Ça n'a rien changé dans les faits. C'est juste la mise en œuvre qui n'est pas la même. Oui, Yann ? Toi, dans ton screen là qui est bien en ligne, oui, c'est service informatique que tu as aussi dans ton accès dossier compta. C'est exact. Parce que c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé aussi... Les comptables accèdent au dossier compta et les informaticiens accèdent aussi au dossier compta. C'était ma demande. Donc, dans compta, on devrait... Alors, attention, excuse-moi. Dans compta, tu parles de quoi, compta ? L'UO compta. Dans l'unité d'organisation compta, oui. Il devrait y avoir normalement le service comptabilité, le groupe service comptabilité. Correct. Et les personnes qui se trouvent dans le service comptabilité. C'est exact. Vous voyez que dans une OU, j'ai mis des utilisateurs et aussi des groupes. On peut le faire. Est-ce que c'est bien organisé ? Ça dépend. Vous allez rencontrer des choses comme ça. Des gens psychorigides comme moi qui créent tous les groupes dans une OU groupe. Des gens pas psychorigides qui mélangent les comptes utilisateurs, les groupes dans la même OU. Parce que pour eux, c'est plus logique. Parce que pour eux, ils le trouvent mieux comme ça. Ça se discute autant de temps que vous voulez. Mais il faut vraiment pas mal de bière pour vraiment réussir à trouver la bonne solution. Il faut que ce soit efficace, c'est tout ce qui compte. Oui ? J'ai une question, je suis obligé de la poser, mais elle n'est pas terrible. Bon, je te donnerai une réponse de merde alors. Ouais. Mais je suis obligé de la poser. Vas-y. C'est par rapport à ce qu'a dit Jérôme, le groupe d'utilisateurs comptabilité. Le groupe d'utilisateurs... Non, déjà, effectivement, c'est une question de merde. L'idée... D'organisation compta. Dans l'OU compta. Allez, je vais y aller aussi, moi. Allez, compta. On a donc le groupe service compta. Oui. Avec les deux clients, deux utilisateurs oui. Tartampion. C'est ça. Quand je double-clique sur service compta. Donc, l'unité d'organisation service... le groupe, pardon, le service groupe, compta. Toujours.
Oui. Et je fais ment. Oui. On retrouve nos deux tartes fonctions qui sont dedans. Super. Si jamais, ma question c'est ça, on trouvait quelqu'un d'autre qui n'est pas affiché dans... Ah, très bonne question. Dans, je termine la phrase, quand on, si on, on double-clique et qu'on trouve un nom qui n'est pas dans le premier... J'arrive pas à dire le... Dans l'unité d'organisation compta. Compta où il y a déjà Brigitte et Romain pour c'est moi. C'est ça. Et que je trouve en double-cliquant quelqu'un d'autre. En plus, Martine, voilà. C'est pas normal. Mais d'où il sort ? Il y a un, voilà, d'où il sort. C'est anormal. Le groupe s'appelle Service Comptabilité. Il contient tous les membres du Service Comptabilité. Il y a une certaine logique. Donc, si dedans, en plus, j'ai. Donc, Sam, voilà. Et en plus, il y a James Bond. Mais il a rien à faire là. C'est anormal. D'avoir quelqu'un en plus dans ce groupe-là. Ça veut dire que l'administrateur qui a administré les choses, tout ça. Il a fait une erreur et il a inclus... Ça peut être ça, tout à fait. Dans les droits, par exemple. Pourquoi il a fait ça ? C'est là où c'est problématique et on se retrouve dans une situation où dire « J'ai un utilisateur qui est dans un groupe », c'est pas normal qu'il soit dans ce groupe-là. C'est illogique. Pourquoi il est là ? Eh bien, vous commencez l'enquête maintenant. Il faut se renseigner, il faut appeler les administrateurs. Pourquoi il est là ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? On pourrait retourner sur des choses qu'on avait parlé. Peut-être que cet utilisateur, il est à mi-temps. Il est un tiers-temps. Les deux tiers du temps, il est aux ressources humaines. Et un tiers du temps, il est à la compta. Comme un objet peut être que dans une seule unité d'organisation, il est dans l'unité d'organisation RH parce que c'est sa principale activité, mais il fait aussi partie du service comptabilité une fois de temps en temps. Donc il faut qu'il accède aux données de la compta une fois de temps en temps. Tu vois, ça expliquerait pourquoi, ton cas de figure, j'ai des gens qui sont dans le groupe service comptabilité, mais qui ne sont pas dans l'unité d'organisation comptabilité. Coup, elle était pas mal comme réponse, ça, par rapport à ta question. C'était pas une question de merde. Bah non, en fait, c'était très, très judicieux comme question. Okay. En fait, je me dis, c'est là que les fiches détaillées, prénom, nom, nom complet, description, voilà. Peut être intéressant. Et vous oui. Verrez en description alternant. Exactement, RH compta, un tiers-temps... C'est là avec que c'est très intéressant. Un numéro de téléphone au cas où, une adresse messagerie. Voilà. C'est là que ça devient hyper important. Et en fait. C'est pour ça qu'il y a, dans les entreprises, on a des cahiers d'exploitation, on a des suivis pour savoir. Parce que qui accède à quoi, comment, hein, cette sécurité dont on n'arrête pas de parler. Qui va décider, Brigitte a tel droit. C'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons les accès de Brigitte. Ça va être son chef de service. Ça va être son poste de travail. À son poste, elle est censée faire ci, ça, ça. Donc, elle a besoin des accès ci, ça, ça. Le choix, c'est pas vous qui l'avez. Vous, faites la mise en œuvre. Votre travail, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que Brigitte puisse faire le sien. C'est tout. On sert qu'à ça. Sauf que pour qu'elle puisse faire le sien, il faut qu'elle ait les bons accès. Et si elle est à mi-temps RH compta, il faut qu'elle accède et à la RH et à la compta. Donc, c'est normal qu'elle soit dans les deux groupes. Des fois, ça arrive d'autres cas de figure. Je reprends ton exemple, hein, où dans le groupe service comptabilité, il y a quelqu'un qui n'a rien à faire là. C'est peut-être un ancien du service comptabilité. Quelqu'un a changé de service. Il a été muté. J'étais à la comptabilité avant, je suis passé au RH. On va faire cet exemple-là. Le compte utilisateur, dans ce cas-là, il faut le déplacer d'unité d'organisation. Le compte utilisateur, dans mon cas, Brigitte Michu, voilà, elle est à la compta. Elle change de service et va au RH, je vais la déplacer. Déplacer un compte utilisateur d'une unité d'organisation à une autre unité d'organisation, ça ne change pas les groupes. Ça ne change pas du tout les groupes. Donc ça pourrait être ce cas de figure dont tu parlais. Brigitte, elle a changé d'unité d'organisation, je l'ai déplacée, mais j'ai oublié de la retirer du groupe service comptabilité. Donc elle apparaîtra toujours. Elle apparaîtra toujours dedans. Ce sera ton cas de figure. J'ai encore Brigitte Michu dans... le groupe service comptabilité. Pourtant, dans l'unité d'organisation, il n'y a plus Brigitte Michu. Elle est dans l'unité d'organisation RH. Elle est dans le groupe service RH. Ça n'a pas de pouvoir, alors, l'OU. Exactement, oui, tu as bien résumé. Gros, c'est... Mais c'est normal, ça s'appelle une unité d'organisation. Ça sert à organiser. T'organises tes clés, t'as un trousseau de clés et tes clés, tu les mets sur des crochets avec des porte-clés. C'est pas le porte-clés qui va faire mieux que tu peux ouvrir une porte ou pas. Hein. Comme un plan de réseau qui est pas à jour et toi tu... Bah le plan, il a aucun intérêt. Enfin, il... Voilà.
Voilà, ça sert qu'à organiser, c'est tout. C'est un espèce de plan, si tu veux, les OU. Oui, c'est ça. Oui. J'ai une question, du coup. Allez, vas-y. Imaginons que je viens dans propriété de service comptable. J'ai les membres, là j'ai mes deux tarifs fonctions, mais imaginons que je suis dans une société, c'est plus service comptable, mais Europe de l'Est. Et du coup, j'ai 2000. Oui. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un dérouleur, j'imagine bien pour tout le monde, il y a un dérouleur qui fait les 2000... Les 2000 quoi ? Membres. Un dérouleur, c'est-à-dire cette interface-là, t'es... L'ascenseur. Ouais. Oui, bah alors, non, s'il y en avait 2000, il y aurait un ascenseur. C'est ça, il y a un dérouleur. Oui, il y en a... Alors, bon, ça s'appelle un ascenseur. Ok, un ascenseur, pardon. Oui, oui, ça prête à confusion. Oui, mais le dérouleur. Un ascenseur. Pour moi, c'est dans les chiottes, le dérouleur. Il déroule le papier. On déroule le conteneur, hein, tu l'as dit dans ça aussi. Oui, on peut dérouler effectivement une arborescence. Donc là, oui, tu auras un ascenseur et tu verrais les 2000. Il n'y a pas un moyen de savoir, par exemple, d'un coup de vue, il y a 1250 inscrits. Enfin, 1250 si. Membres. Ça s'appelle les requêtes sauvegardées. Les requêtes enregistrées. Ah oui, mais il faut aller en haut alors. Ah bah oui, il faut aller en haut. Ça et il faut l'avoir, fait à l'avance. Faut l'avoir fait à l'avance. Il faut créer une requête enregistrée pour afficher tous les membres du groupe service comptabilité, par exemple. Ouais. Okay. Et oui, ça peut être cossu, hein, le contenu d'un groupe. Il peut y avoir beaucoup de monde. Je me dis, dans tout à fait. Des gros trucs, il peut y avoir des gros groupes. Hein. Ah bah oui, il y en a plein, tout à fait. Et on peut avoir accès à beaucoup d'informations. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Quelle information enfin, non, tu veux dire, c'est un utilisateur qui peut accéder à plein de dossiers, oui, voilà. Éventuellement, dans le fonctionnement. L'admin, par exemple, qui a les droits. Alors, non, mais arrête. L'admin, il accède à toutes les informations. C'est pas beaucoup, c'est toutes. Justement. C'est-à-dire que là, il peut aller fouiner dans le dossier des... Non. Mais... Un administrateur, ça fouine pas. Non. L'administrateur, son travail, c'est que Brigitte fasse le sien. C'est pas un fouineur, non. Si c'est mal intentionné... Non, il est pas mal intentionné. S'il est mal intentionné, il est viré, ça dégage. Non, arrêtez de penser ça. Ah oui, vous êtes tordus. Mais mec, je sais pas comment vous voyez le service informatique, mais hey, franchement, vous avez autre chose à faire que d'aller fouiner. Hein. Mais vous allez avoir un chat. Je sais pas ce que vous allez faire. Vous voyez le boulot dans le futur, c'est qu'est-ce que tu fais? Je branle rien, moi, ma journée, je fouine. Je fouine dans les dossiers. Je suis un fouineur. Je dis juste qu'il a accès aux onglets. Dans les onglets, il y a des informations comme les numéros de téléphone. Oui. C'est lui qui les a rentrés. Bien sûr qu'il y accède. C'est l'admin qui les a remplis, ces numéros de téléphone. Donc tu m'étonnes qu'il les connaisse. C'est pas beau. Bah oui. Qui c'est qui crée les comptes là? Qui c'est qui crée tout ça? C'est l'admin, donc oui, il les a déjà au début, bah oui, il connaît tous des gens, bah oui, il faut créer les comptes. Et après, il harcèle la nuit. Bah, ça c'est il fouine la nuit, il fouine aussi la nuit. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, il a déjà non, tout. Que je m'étais positionné comme c'est moi qui les ai créés, mais en fait, je suis l'admin, il faut que je me positionne comme ça. L'admin fouineur. C'est toi, l'admin. Tu vas pas aller fouiner dans les affaires de Brigitte, toi. Bah surtout, si c'est moi qui les ai créés, y'a pas raison. Bah tu les as déjà, donc non, y a pas tout ça. Même si c'est vrai qu'elle pouvait modifier ses onglets. Qui ? Elle. Brigitte. Si il y a certains champs auxquels elle accède, elle peut s'auto-modifier ses champs. Je vous rappelle, je vous avais dit, pour Bill, il aurait voulu que cet annuaire soit remplace tous les autres annuaires. Donc il y a certaines petites fonctions qui sont pratiques pour les utilisateurs, mais on s'en sert jamais dans les entreprises. Personne n'utilise. Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances, non, on l'utilise pas en tant qu'annuaire. Donc à mon avis, ce sera rare les cas où vous allez trouver des annuaires AD et que le champ numéro de téléphone, par exemple, de Brigitte est rempli. Ça sera très rare. Même si c'est possible, c'est très rare. Ça ne sert pas de ça. Nine. Ah ouais, là, les admins, là, ils ont du boulot. Ah bah, bien sûr, ils ont du boulot. Et il faut faire les choses bien. Donc, je voudrais... Ah oui, je vais vous faire bosser, hein, les gars. C'est pas ça quoi? On est en train de prendre conscience. Ça y est, je commence à tirer. Je voudrais que... Pff, ça râle déjà. J'ai rien dit. Déjà, ils sont en train de râler. C'est l'attitude, tu vas le dire. Il faut que nous, on le transforme en... Eh oui, vous allez devoir m'écouter et réfléchir. Ça va être chaud. Je veux vous fassiez maintenant AGDLP, c'est-à-dire... Je veux que dans chaque service... Dans Compta, il y a un groupe qui s'appelle Service Compta. Dans RH, il y a un groupe qui s'appelle Service RH. Dans Info, il y a un groupe qui s'appelle Service Info. Dans Production, il y a un groupe qui s'appelle...
Non, pas service info dans production. Production. Service production. Ah, écoute, rien. C'est incroyable. C'est incroyable, elle écoute jamais. Pourtant, elle me regarde. Ouais. Elle me regarde, elle écoute zéro. Tu sais, y a rien derrière. Tout passe d'une oreille à l'autre, elle s'en fout. Regarde. Voilà, donc je voudrais que vous fassiez comme l'exemple qui est sous vos yeux dans le stream. Pour chaque service, vous me faites un groupe qui s'appelle service compta, service RH, service info, service production. Nanana. Que dans ce groupe, je reprends l'exemple de service comptabilité, dans les membres, il y ait tous les membres du service comptabilité. D'accord ? Oui ? Oui ? Vous dites oui, c'est oui. Tout. Oui ? Oui, Instagram, oui. Et dans l'unité d'organisation groupe, dans le groupe qui s'appelle accès dossier compta, dans les membres, il y ait deux groupes, plus de comptes utilisateurs. Et les deux groupes seront, pour accès dossier compta, il y a service compta plus service informatique. Ça, pour le groupe qui s'appelle accès dossier RH, il y aura... Le dossier RH. Non, le groupe service RH plus... Service informatique. Pour le groupe qui s'appelle accès dossier production, il y aura... Service production. Plus service info, etc. etc. Informatique par... Groupe service informatique partout. Oui, c'est ça que je veux. Et tu veux... Plus de comptes utilisateurs. 100 balles à Mars aussi, peut-être. J'aime pas trop le chocolat, alors je vais prendre 100 balles juste. Tout ça pour vous montrer qu'on met les groupes dans les groupes, mais surtout, c'est souple. On était parti de... On avait mis tous les comptes utilisateurs dans les groupes. Et ben on peut le changer. Tout ça pour vous dire que si demain vous arrivez dans une infrastructure et qu'Active Directory, ça a été n'importe quoi, mettre des groupes des utilisateurs dans tous les sens, c'est pas grave. Rien n'est figé. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez, peut-être que ça fera partie de votre travail, une analyse de ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, que c'est la foire d'empoigne et c'est n'importe quoi, on comprend rien. Vous pouvez refaire des groupes, vous pouvez refaire des unités d'organisation. On peut réintégrer les groupes dans les groupes et changer ce qui a été fait. Donc c'est ce que vous faites. Qui c'est qui fume là? Putain, mais la fumée elle monte jusque là. Ça fume là. Sérieux là? Ça va pas non? Coupe le feu dehors ou quoi là? Oh! Je finis de fumer comme ça et plus loin là! Ça pue! Pas vrai les fumeurs, je te jure. C'est... Moi, en plus, le mec sur son paquet il a écrit tu vas mourir si tu fumes ça. Non, il le voit. Bah, t'as vraiment parlé à quelqu'un là? Bah oui. Non, non, j'ai parlé à un buisson. Eh hey, toi le buisson là! Oh! Dégage, tu pues! Et le mec il a pas rangé! Quoi, il bronche? Il a bronché là, t'es sérieux? Attends, je vais descendre. Là. Tiens, je vais prendre la guitare, là. Il va se prendre un coup de guitare à la trompe. Là. Ça va le calmer là. Oh! Non, mais sérieux, ça pue la clope là. C'est infernal. Oh, t'as raison d'ailleurs, je vais descendre le voir, je vais lui mettre le paquet là, ça va le calmer. Sur les ah non, mais j'y vais! Sur les... Vous avez du boulot pendant ce temps là. Oh, tonnerre! Regarde la porte. Alors, j'ai compris, on met des groupes dans des groupes. Les gestes ne respectent pas, Samir. Mais quoi, il y a une fois que je suis à l'avance. Pas normal. Tu lui oublies un truc. Ouais, confiance en toi. Non, mais j'ai fini. Ouais, je sais. C'est pas normal. Mais si, c'est normal. Trois points. Trois points, tu penses? Trois points, ouais. Bon, magique. Facile. C'est un groupe dans un groupe. Quelqu'un veut une clémentine? Merci, ouais. C'est gentil. Merci. Ça passe. Ça passe. Bon, ça va être encore une belle soirée ce soir. On va tenir comme ça tous les soirs. Comme ça. Vous bossez le soir? Oui. On bosse? Oui, on bosse tous ce soir. Pourquoi toi tu... Toi tu bosses pas. Ouais, d'accord, allez, va là-bas. Ça fait deux soirs que je bosse pas. Je bosse pas. Pas sérieux tout ça, ouais, mais tu t'en sors quand même. Oui, oui, mais je connais pas les définitions. Genre, quand il dit apprenez par cœur, vous avez les mais tu peux... Ah, mais je te rassure, moi je bosse comme un con jusqu'à 1h du matin, je les connais toujours pas. Oui. Ouais. Ça peut te rassurer. Le principal, je pense que c'est qu'on comprenne, tu vois. Ouais, des fois, on croit qu'on a compris, mais. Ouais. Quand tu poses c'est pour question... ça que c'est bien de passer au tableau. Putain, bien niqué. Je pensais pas que ça fumait encore quand tu faisais bouffer une cigarette allumée à un mec. Fait de la fumée par les oreilles. Non mais, on va pas se laisser faire, on ferait plus que ça.
Ah, donc. Oui. Allez. Donc la solution, elle est dans le stream. Pour ceux qui veulent voir le stream. Ils sont bien en train de rigoler là. Ah non, mais là, c'est le mec que j'ai défoncé. Après, il y a plein de gonzesses qui sont arrivées. On fera pas les femmes. Non, je peux rien faire, les filles. Comment t'as fait ton raccourci là pour directement avoir écrit service? J'ai fait CTRL C, CTRL V. Juste un copier-coller. Parce que je suis feignant. Hein. Ah bah tu vas tester. Tu vas te loguer avec quelqu'un du service RH sur un poste de travail. Tu vas te connecter au partage anti/anti/ serveur d'anti/ travail. Et comme tu es au service RH, tu dois accéder qu'au dossier RH. Okay. C'est ça que tu vérifies. Et bien sûr, il faut tester. Samouraï. Samouraï, excellent. Ça, c'est drôle, ça. Mais il faut la pause à quelle heure hein? Ils ont à peine commencé les cours depuis 10 minutes, ils sont en pause. Pouf de rien. Ça fonctionne, mais après, j'ai rien fait sur le serveur 2. Eh ben, c'est normal, il n'y a rien à faire sur le serveur 2. Il n'y a rien à faire. Okay. Vu que le groupe accès dossier RH avait déjà le droit à modification sur le dossier RH, par exemple. Okay. Il n'y a rien à faire. Te voir boire me rappelle que j'ai pas bu de la journée. T'as pas bu de vodka? Non. Ah, l'eau du robinet, elle est très bonne, tu sais. Hein. Oui, Yann? Est-ce que ça te dérangerait de mettre sur ton stream group d'afficher ce qu'il y a dedans dans l'unité? Oui. De... Je n'ai pas créé de groupe en plus, ni rien dans l'OU group. Pour faire clair, dans. Il n'a pas mis longtemps pour te faire de passer à IS. Qui ça? Virfil, dans le chat. Virfil, ouais, mais je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un du chat, justement, c'est pour ça que j'ai dit son message. Ah. Tu te rappelles même pas de tes élèves? Non. Ah, mais moi, vous êtes là, je me souviens de vous, dès que vous partez en stage, vous n'existez plus, hein. C'est fini. Hein. Les mecs, il y en a qui vont revenir passer le titre, je sais pas qui c'est. Hein. Et Sony Ouais, Sony, il vient souvent, donc lui, ça va, j'arrive à m'en souvenir, mais tu vois, il vient tous les deux jours. Oui, Yann? Si j'ai bien compris, dans la production, je devrais avoir. Service compta, service d'info et service ressources humaines. Alors, tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît? Dans l'unité de Sartre. Oula. Recommence. Ah, je suis dans le grand test. Tu vois, c'est pas, ça doit pas être un ancien stagiaire à moi, ça, dans le grand test. Vas-y, repose ta question. Dans Je reviens en 5 minutes, là, je vais te le dire. Bon, bah, à lundi, hein. Je vous souhaite un bon week-end. Est-ce qu'il faut que dans les accès dossiers, par exemple compta ou info ou production ou RH, il faut qu'on trouve dans l'onglet membres que deux services. Que un deux service, groupes. Que deux groupes de services. Un qui un s'appelle. Qui a l'info et un qui a le même nom. Le groupe, même groupe de services du même dossier. C'est exact. Et tu devrais avoir ça. Si je prends accès dossier RH, par exemple, au hasard, dans les membres. Okay. Service informatique et service RH. Là, tu veux plus qu'il y ait des membres qui se baladent seuls. Je veux plus qu'il y ait des comptes utilisateurs dans ce groupe-là. Tu veux que des... Oui.
je veux que des groupes. J'imagine que tu veux que le groupe service info. Ah bah oui, par contre dans service info, il n'y a que service info. Accès dossier informatique, il n'y a que le groupe service informatique. C'est exact. Dans le Grand Est, c'est où le Grand Est? C'est Strasbourg, ça, le Grand Est. Rouen. Rouen? C'est à l'Est? Je sais pas. Non, c'est... Je sais pas où c'est. Nancy, ah ouais, Nancy, c'est ça. Metz, Nancy, Strasbourg, tout ça, c'est l'Est. Hein. Nancy, Nancy, Nancy. Tu dois commencer à avoir froid, là. Hein. Nancy, ça doit commencer à cailler, là, dans cette saison. Je préfère Bordeaux, pour le temps. Tout à fait, tu m'étonnes. Ah, c'est vrai que de 2 ans pour passer de TSSR à AIS, c'est rapide. 2 ans, il a dit, il y a 2 ans, il a fait TSSR et un an après, il a fait AIS. Il a enchaîné. Hein. Il s'en sort, c'est le principal. Ah bah ouais, c'est le principal. Et alors, est-ce que vous vous en sortez? Non. J'ai mal compris, énoncé, je me suis planté. Ok. On aura un client 1. Et Virfit, tu gagnes combien d'euros par mois? Sans indiscrétion. En ayant fini ta formation, là, il y a un an d'AIS. En fait, enfin, si c'est pas indiscret. C'est ce qu'on a fait l'exercice et j'avais ça. C'est ce qu'on a demandé de faire. Puis il a réussi à trouver du travail. Okay. Oh, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas réussi à trouver du travail. Ça, ça m'étonnerait. Après, dans les conditions qu'il veut, ça, c'est autre chose. Donc, 3400 bruts, il a dit. 3400 bruts, parce que j'ai modifié. Ça va. Tu vois, vous faire AIS, en fait. Ah, bah, c'est sûr qu'en enchaînant, c'est mieux. Hein. Ouais. Non, parce que je les ai mis dans. Ça, merci ça, pour. Qu'est-ce que tu vas faire l'informe. Merci pour ta sincérité. Ouais, parce que c'est pas tout le monde déjà qui en parle. Déjà. Ouais. Bah, il est quand même un peu anonyme, on sait pas qui il est, on sait. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui anime. Et puis ça se trouve, il ment. Ouais. En fait, il est à 6000. Mais il veut pas trop dire. Il est pas trop. J'ai mis juste compta et informatique. Parce que toi, tu disais que c'était du 1400 net. Technicien supérieur. Débutant. Après, ça dépend dans quelle boîte il travaille, depuis combien de temps il y est. Puis c'est dans l'Est, il a dit ça caille. Tu vois, il nous l'a dit, ça caillotte. Donc, comme ça caillotte, il faut que les salaires soient plus élevés pour que les gens y restent. Sinon, il faut payer le chauffage. Je suis sûr qu'il a déjà allumé son chauffage, lui. Bon, comme tout le monde. Hein? Mais on l'a pas allumé le chauffage, ça va pas. Regarde le soleil qu'il fait là. On va bientôt être obligé de mettre la clim là, tellement il fait chaud là. Au Luxembourg. Ah, bah oui, s'il travaille au Luxembourg alors là. Parce que je suis dans. Ah oui. Je peux pas le mettre. Ah ouais? Ah bah c'est x2 ou x3? Ah oui, Luxembourg, les salaires sont très élevés. Ouais, parce que eux, ils ont pas, ils cotisent pas pour la retraite. D'accord. Ils ont rien, ils ont pas d'impôts, ils ont que des banques. Et ouais, il y a le chauffage à payer. Informatique. Il y a que pour Yann qu'il y a des sous-sailles? Pour les autres, c'est bon? Vous avez vérifié, ça fonctionne comme avant? Non, non, ça n'a rien dû changer. Non, pardon, je te dis une connerie. Very good. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, le Yann? Tu vois, donc au final, c'est pas à prendre en compte là, ce qu'il a dit, parce que lui, il est à Luxembourg. J'ai pas compris, il fallait faire ça, moi. Ouais. Il est à Luxembourg. Tu mets en production? Sûr. Ouais. Ah, je te suis, Jérôme. Mais, tu sais, tu peux lui demander toi-même, il entend. Ouais. Hein, il est sur le même chat. Tu préfères que ce soit Nina qui pose des questions, c'est ça? Non, dis combien il touche. Combien il touche. Il a du chauffage. À combien il met de température dans sa chambre? Moi, je crois que t'avais un lien privilégié. Là, tu peux. Bon, alors, monsieur Yann, qu'est-ce qui se passe? Production. Que se passe-t-il? Ça ne voudra pas. C'est sûr, parce que c'est le même groupe. C'est slash quoi déjà? Slash quoi? Dans le groupe. On slash, c'est ça? Bon, allez, raclette alors, si on slash. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait faire, le monsieur? Anti-slash, travail. Donc, accès production. Ouais. Il ne doit pas y aller.
Qu'est-ce que vous faites, monsieur? On refait l'exercice. Ouais. Ça, c'est celui qu'on a fait. Voilà, service compta, membre. Membre. Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Dans le groupe service comptabilité, il n'y a que les membres du service comptabilité. Donc lui, il dégage. Donc service production et service ressources, ça dégage, ça. Allez, hop, supprimer. Voilà. Ok. Vérifie la même chose pour informatique. Service informatique, membre. Tout ça, ça dégage. Il faut qu'il y ait David, Gillian, Yann, Jack. C'est plus compliqué en faisant ça. Non, 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 fais pas ça. Fais annuler. Et ok. Fais ok. Non. Alors là, tu as cliqué. Ah, bah j'attends que tu aies fini de cliquer. Vas-y. Tu peux retourner dans service informatique, s'il te plaît? Propriété. Onglet membre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils sont tous revenus? Pas du tout. Alors, je sais pas si tout le monde a suivi. Non, ça va être pas vite. Oui, il est trop vite, fallait suivre parce qu'il a cliqué sur le bouton annuler. Donc on recommence, supprime tous ces groupes. Supprimer. Oui, tu fais OK. Maintenant, tu sélectionnes tes utilisateurs. Clic droit de souris, ajouter un groupe. Service informatique. Entre. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais. Je peux vous poser à tous une question. Ouais. Quand je vous dis que vous ajoutez des gens dans des groupes, je vous dis de faire quoi? C'est quoi la procédure que je vous donne? Je vous dis de commencer à écrire et faire quoi? Entrer. Entrer. Pourquoi tu le fais pas? C'est pour vérifier. Ça sert à rien de cliquer sur vérifier les noms, parce que de toute façon, il va vérifier les noms. Il va le faire à chaque fois. C'est juste perdre du temps. Ok. Va dans ressources humaines maintenant. Non, va dans ressources humaines. Même chose. Service ressources humaines. Double clic. Onglet membre. Allez, ça dégage. Ah non, il y a service production dans le groupe service ressources humaines. Allez hop. Ok. Ok. Tu sélectionnes tes deux utilisateurs. Clic droit de souris, ajouter un groupe. T'écris SER et tu fais entrer. SER, entrer. Non, bon. Il veut pas. Il veut pas. Hein. Il veut cliquer. Hein. Il veut cliquer. Voilà. Sélectionne le bon groupe. Donc, tu étais dans quel OU, là? Ressources humaines. Ressources humaines. OK. OK. Production. Allez, double clic sur production. Membre. Ah, bah là, c'est bon. Alors, c'est les bons? Oui. Rillette, Nicole, Pat-Pat. Ouais. Cornichon, Cornichon. Qu'est-ce que c'est? C'est dur à porter, Cornichon, comme prénom, hein, quand même. Là, c'est bon. Là, par contre, c'est bon. OK. Et maintenant, il faut mettre, voilà, tu vas dans le groupe si tu veux, accès à dossier compta, on va commencer par celui-là, propriété, non, propriété. L'onglet membre, il y a qui? Il y a service compta et service informatique, ça c'est bon, tu peux faire OK. Accès aux ressources humaines, double clic, ça va plus vite, membre, ah, faut enlever tous les comptes utilisateurs. Informatique. Exact. J'ai dit de supprimer les comptes utilisateurs, pas les groupes. Supprimer. Et ajouter qui? Vu que tu es dans le groupe accès ressources humaines, c'est le groupe service ressources humaines qu'il faut que tu ajoutes. Là, je suis obligé de regarder. Entrer. Non, entrer à chaque fois, c'est pareil. Service ressources humaines. Ok, ok, ok. Accès informatique, on va vérifier. Membre. Allez, tu m'enlèves les utilisateurs. Et là, il n'y a que le groupe service informatique. Parce qu'il n'y a que service informatique. Et accès production, membre. Allez, hop. Ça dégage de tout ça. Et j'ajoute SER, entrée. Entrée. Voilà, service, production. Et on est dans production. Production. Ok. Voilà. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est A, G, D, L, P. A, account, les comptes utilisateurs, tu les as mis dans le groupe qui s'appelle service comptabilité. Et le groupe service comptabilité, on l'a mis dans le groupe accès dossier comptabilité. Et donc logiquement maintenant, si tu te relogues sur les postes de travail, avec quelqu'un du service production, il accédera que au dossier production. Si par contre vous vous loguez avec quelqu'un du service informatique, il accédera à tous les dossiers.
C'était la situation qu'on avait ce matin. Il n'y a rien de changé. La mise en œuvre est différente. C'est juste la mise en œuvre qui n'est pas la même. Ça pime ? J'ai un souci. Oui ? J'arrive plus à accéder au serveur. Lequel ? Ben le backslash deux fois, SRV, GA, 02. Pensez à héberger. Eh ben on va vérifier ça. Alors, donc depuis le client, tu n'arrives plus à te connecter au partage se trouvant sur le serveur 2. T'as mal écrit l'adresse. Ah, tu sais déjà que c'est ça? Putain, t'es trop fort, toi. Il vient de le dire. Ah bon? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'était pas toi, là. Ah non, mais je le vois, là. SRV 02, GA. Ah, moi, je vois qu'il y a écrit. Il y a écrit quoi? SRV GA 02. Oui. Bah, est-ce que c'est le... Tu peux, donc, comme d'habitude, on refait la panne. Vous ne pouvez pas accéder à SRV GR02 en distage travail. Je vais te dire une cote, mais c'est pas l'inverse. Comment ça, c'est pas l'inverse? Qu'est-ce que tu penses à quoi? SRV 02 GR. Donc, qu'est-ce qu'on pose comme question? Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Comment vous avez fait? Enfin, non, ça, il vient de nous le montrer là, on le voit, comment il a fait. C'est bon, on le voit. Avez-vous tapé le bon nom, le chemin UNC? Il me semble très cher. Et comment on vérifie ça? Donc il faut vérifier. Ah ouais, je lui demande de faire dans le faire. De le faire. Mais il vient de le faire là, il le fait. Tu vas pas lui demander de refaire à chaque fois la même chose? Non, justement de faire SRV 02GA. Ah non. Donc là, ce que tu utilises comme technique, c'est le doigt mouillé. Je sais que t'as fait une faute de frappe parce que je connais ton serveur. Et je sais que c'est SRV 02GA. Putain, mais tu lis les pensées? Tu connais sa maquette par cœur? Non, je vérifie. Si ton idée, c'est de dire « Je pense que le nom du serveur, c'est pas le bon nom. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut vérifier le nom du serveur. C'est ça qu'il faut faire. Donc alors, petite question collégiale pour tout le monde. Peut-être que Monsieur S a la bonne solution, c'est ça l'idée. Comment je vérifie le nom d'une machine? Mauvaise réponse. C'est le hostname. Donc ça veut dire... Monsieur G, est-ce que vous pourriez aller sur le serveur 2, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez lancer l'invite de commande, s'il vous plaît? Et est-ce que vous pourriez taper hostname, s'il vous plaît? Et je vois qu'il y a écrit SRV02GA. C'est ça qu'il y a écrit? Eh ben non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit SRVAG02. Donc le nom du serveur, c'est bien SRV... GA, pardon, d'ailleurs. C'est SRVGA02. Donc est-ce que Gaël a fait une faute de frappe? Non. C'est le bon nom du serveur. Donc le problème, c'est pas ça. Mais ça a marché tout à l'heure ou pas? Non, ça a marché, mais c'est parce qu'il a changé les autorisations des groupes. Ah, tu veux dire, faut poser des questions, ça joue, etc. Alors, je viens d'entendre, depuis que j'ai changé les autorisations des groupes. Bah, depuis que j'ai imbriqué les groupes dans des groupes. L'exercice qu'on devait faire. Ce qui, normalement, ne devait absolument rien changer. En principe. En principe. Et donc. Si je vais sur autorisation... Partage avancé, il n'y a rien qu'à changer. Autorisation, tout le monde. Ok, ça c'est bien. Est-ce que ce serait possible d'aller faire un tour dans l'onglet sécurité du dossier travail, s'il te plaît? Parce que tu as vérifié les permissions. Est-ce que vous voyez quelque chose, mesdames et messieurs? Donc là, bah, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a... Ça choque personne? Si. Qu'est-ce qui va pas? Système. Oui, système. Alors qu'est-ce qu'il y a avec système? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben oui. On l'avait pas tège. Pourquoi c'est un relou, ce mec? Mais moi aussi, relou. Messieurs? Dans le travail. Système, on l'avait pas tège? Pas dans le travail. Alors, dans aucun dossier,
Non, jamais on a viré système. Au contraire, c'est le seul truc qu'on laissait avec administrateur. Donc si on doit nettoyer, hein, je mets toujours les guillemets autour de nettoyer, on laisse tout le temps système contrôle total et administrateur contrôle total. Donc il y a toujours système, c'est plutôt rassurant. Hein? Et il y a autre chose? Accès dossier compta. Ah. Donc, question. Qu'est-ce que accès dossier compta fait dans l'onglet sécurité du dossier travail? Qu'est-ce qu'il fait là, ce truc-là? Moi, j'ai pas ça du tout. Ah bah oui, je suppose que aucun d'entre vous n'a la même chose que Monsieur G. Vous pouvez vérifier l'onglet sécurité de votre dossier. Oui, mais, excusez-moi, mais là on est en train de dire on dépanne Monsieur G parce que ça ne fonctionne pas chez lui. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une boulette quelque part. Moi, j'avais pas touché, j'avais supprimé personne dans l'onglet travail. Dans l'onglet sécurité du dossier travail. Et oui, parce que c'est ce que j'avais demandé. J'avais laissé... Il y a tout. Il y a les permissions NTFS par défaut. Pareil. Bah, pour tous. Et étrangement pour vous tous, ça fonctionne. Il y a créateur, système, administrateur, utilisateur. Comment ça se fait que les permissions NTFS du dossier travail ont été modifiées? Monsieur G, on vous écoute. Je ne sais pas. Ah, les lutins? Ou c'est Moussa encore? C'est pas Nina. Donc on va voir ce qu'il dit. Non, mais on va voir ce qu'il dit. Moi, c'est les lutins. Donc effectivement, tout est cohérent. Si tu es logué avec un utilisateur du service RH, par exemple, sur ton client, tu disais que ça ne fonctionnait pas. Le service RH se connecte au dossier travail. Est-ce que l'utilisateur du service RH fait partie de système? Non. Est-ce qu'il fait partie du groupe accès dossier compta? Non. Est-ce qu'il fait partie du groupe administrateur? Non. Donc il n'a aucun accès sur le dossier travail, tout va bien, c'est normal. Bah oui, Brigitte, elle n'est pas dans accès dossier compta. Donc là, l'erreur qui a été faite, c'est que les permissions NTFS du dossier travail ont été modifiées. Là, fallait pas le faire. Les seules personnes qui peuvent s'y rendre, c'est ceux, les membres du groupe accès dossier compta. C'est exact. Et les administrateurs, bien sûr. Oui. Oui. Là, il n'y aurait que les comptables qui accéderaient à travail. Tous les autres se font jeter. On va corriger la poulette. Pourrais-tu réactiver l'héritage, s'il te plaît, sur ce dossier? Ok. Donc ça a remis créateur propriétaire, machin, ça a remis tout. Et est-ce que tu peux cliquer sur modifier? Parce qu'on va enlever accès dossier compta, là, il n'a rien à faire là. Voilà, tu fais supprimer. Ok. Ok. Et on va réessayer. Je crois que c'est refait. Ah, ça, c'est les lutins. Hein. Ça a peut-être de lutinerie, là. Ça va, tout s'explique. Donc, c'est un quoi avec qui t'es connecté, là? L'utilisateur qui te sert de test, là, sur c'est ton... C'est toi. C'est? Toi. Oui, mais je m'en fous. Moi, je suis quoi? Moi, je fais partie du service compta, informatique, produit. C'est RH. RH. Essaye d'aller dans production. Ça, c'est pas bon. Essaye d'aller dans l'informatique. Bon, ça va. Compta. Hein? T'es sûr que je suis RH, moi? Va dans RH. T'es sûr que je suis RH? Non, c'est pas toi, en fait. Ouais, c'est pas moi. C'est qui? Who am I? Indiana Jones. C'est pas moi, Indiana Jones. Attends, mais si, c'est mon portrait à tout cracher, Indiana Jones. C'est pas le bon client, attends. Bon, bah, Indiana Jones, à mon avis, il est dans production, hein. Vu que c'est le seul dossier auquel il accède, ça paraît plutôt cohérent. Et en fait, que tu m'associes Indiana Jones, franchement, ça me fait plaisir. Hein. C'est la classe. Oui. Ouais, Indiana Jones. Jones. Professeur Jones. En plus, c'est un professeur, comment? J'en ai un fouet. C'est moi, Indy. Calmos. Hein? Tu veux dire, je fais pas... Ça parle de fouet. Ah oui, pas le même fouet ça. Tout de suite, toi. Une 50 nuances degrés direct. Elle. Donc moi, je suis production, là. Ça devrait mieux... Toi, t'es en RH. Je suis RH? Ouais. Ah oui. Avec Eva Green. On a compris. On va voir ce que ça donne. On a compris, hein. Ouais, t'es surtout avec le S, du coup. Sur Eva Green? Non. Dans son service RH. Ouais, alors,
Ouais, oula. Il n'y a pas trop de réponses. Ouais. Pardon ? C'est bien que tu sois avec moi dans les services avant. Bah, on va bien se marrer. Hein. Il n'y a pas Eva. Je travaille. Ah, t'as mis yes. Christophe. Donc RH. Yes. Mamie, moi. Enfin, Christophe et moi. Pardon. Ouais, wow. Tout va bien. Moi, je suis dans quoi ? Je crois que t'as pas mis. Ah. Ok. C'est green. Non, je sais pas. Elle était là, la poulette. Dans les aluminium. Allez, on continue. Oui, non. Moi, je suis dans quoi, Gaël? Je suis connecté sur mon serveur 2. Avec toi, t'es content. Mon hôte, Anana, qui travaille au service informatique. Et j'arrive pas... Et Moussa, il est dans quoi? J'arrive pas à... Service informatique, évidemment. Non, je pense pas. Hein. Bien sûr que si. Non, je pense pas. Bien sûr que si. Pas me mettre sur le RH et, pourquoi je serais content? Bah, c'est qu'une boulette. Service informatique. Lui, il est dans le. Ah, c'est la boulette. Ah, faut vérifier. T'en supprimer récemment. Alors, le J. Il retourne à ta place, toi, là. Il perturbe le cours. Je suis très bien, là. Je suis dans mon. Périmètre. Tu l'as mis où, le J? Alors, donc, monsieur J, qu'est-ce qui se passe? Où ça? Avec toi. Donc, là, je suis là. Et vous savez dans quoi? Automatique. Anna, Nas, ok. Ok. Alors okay. Ah, t'as de sub. Okay. T'as de sub. Ouais. Ça, je peux l'ouvrir. Mm-hmm. J'ai 20 minutes. Mm-hmm. Mais pas mal, Peter. Eh ben, faut vérifier les autorisations. On va faire pareil. Normalement, donc, service informatique, est-ce qu'il y a Ananas dedans? Il y a Ananas, c'est bon? Ok. Tu vas dans l'OU Group. Accès dossier compta. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dedans, s'il te plaît? Membre. Service compta, service informatique. Parfait. Groupe suivant. Informatique. Membre. Service informatique, parfait. Ah non, ça je l'ai fait sur les deux hier. Accès dossier production. Les nouveaux, enfin les quatre nouveaux du coup, je les ai que sur ça. Service info, service production, ok. Et pour finir, dossier RH. Après oui, t'as pas tort, c'est ça la première. C'est bon. Bah maintenant, il faut vérifier les autorisations des dossiers. Dans Active Directory, ça a l'air correct. Il faut afficher les propriétés des dossiers. Donc, propriété de compta. Non, non, pas travail. Travail, on n'a rien à changer dessus. Sécurité. Oui, donc apparemment, tu ne dois pas avoir les droits d'accès sur ces dossiers-là. Donc, tu risques pas d'accéder à l'onglet sécurité. Hein. Faudrait peut-être se loguer avec un administrateur. Qu'est-ce que tu en penses? Pourrais-tu te loguer avec un administrateur, s'il te plaît, sur le serveur 2? Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que tu peux faire oui. Te loguer avec un administrateur sur le serveur 2, s'il te plaît? Ah, le soleil, ça me rend de bonne humeur. Ouais, je vois ça. C'est pas l'administrateur, c'est... C'est... emmerder les gens. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Ta mère, tu t'es émergé cet après-midi? Non, t'écris pas? T'es sûr? Hein, vérifie. C'est quoi le problème? Attends, je suis perdu là. Je sais plus que j'ai fait. Dès que je vois les choses, ça sera dur de t'héberger demain. Tu vois carotte. Comment ça, j'étais carotte? C'est vrai, carotte? Attention, j'en ai pas besoin. Quoi, t'as besoin du papier pour. Oh, bon, je le fais avec mon téléphone. Ouais, ouais, ouais. Allez, est-ce que c'est mieux? Alors, sécurité, qu'est-ce qu'on a? Ok. Tu peux cliquer sur accès dossier compta. Non, stop. Est-ce que tu peux cliquer sur accès dossier compta, s'il te plaît? Oh, c'est pas mal aussi. Ok, c'est bon, tu peux fermer. C'est pas moi qui l'ai. Même chose pour informatique. C'est le petit lutin. Comment? C'est le petit lutin. Bah, c'est celui qui m'a parlé, je pense. T'es pas sur le bon dossier. C'est d'Alcine.
Informatique, j'ai demandé. Ah, lui. Il sait que c'est pas moi. Sinon, je n'aurais pas parlé. Je sais que je sais que c'est oh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Tu sais que je sais que tu sais que. Qu'est-ce qu'on a, le foulard. Non, qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais. Ah oui, c'est pour ça que j'ai. Il y a juste Anna qui va pas. Hein. Ananas, il a rien à faire là. Je joue avec ton cerveau là. Est-ce que tu peux cliquer sur accès dossier info s'il te plaît. Ça marche plus là. Toi, tu l'as dit trop là. Dans, en haut là, dans les noms d'utilisateurs, il y a écrit accès dossier info. Je vais vérifier quel droit ils ont. Bon. Clique. Je vais pas parler du tout. C'est bon, tu peux faire OK. 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 Production. Accès dossier. Bah, il y a encore utilisateur et ouais, qu'est-ce que ça fout là ça aussi. Ouais, modifier. Utilisateur. Supprimer. Ok. Ok. RH. C'est pas le même ordinateur ça et ça. T'es pas dans le bon dossier. Eh ouais. Ouais mais j'ai pas ah j'ai un tel clic rapide mais à côté hein. Doucement, on a le temps. Tu peux cliquer sur accès dossier RH. Ok, ah, c'est bon. Et tu peux essayer maintenant. Non mais ça marche aussi. Mais c'est pas ça. Parce que là il fait copier coller. Merci les gars. Ben oui. Parce que moi aussi je suis de la même team, ça me casse. Regarde. Ça marche aussi. Est-ce que vous avez montré. Je vais taper dans la Monsieur J, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on a partagé le dossier de travail? Pourquoi on l'a partagé? Oui, pourquoi on l'a partagé? Partager. Et donc, ça a quoi comme effet? Je vais faire un partage. Et donc, ça sert à quoi de faire des partages? De partager. Super. Putain. Et en roulette. Et donc. Bon, bah alors, pourquoi tu cloques sur le serveur 2? Si on a fait un partage, c'est justement pour se connecter au partage à distance. Justement, on a dit que le serveur 2, il était dans la salle serveur, au 6e sous-sol, dans le data center où il fait 12 degrés, il n'y a même pas un écran qui est branché dessus. Si on a fait un partage, c'est pour se connecter depuis les clients, les postes de travail, les Windows 10. Donc les exercices, c'était, il faut ouvrir la session sur les clients, avec les utilisateurs. Et donc se connecter à distance. C'était ça qu'il fallait faire. C'est long. C'est je faisais mes tests que sur un seul client. Moi, là, moi, je le fais sur les autres. Comme ça, les profils sont déjà là. Oui, oui, si tu veux. Donc là, tu t'es connecté à Cananas. Oui, mais ça va pas, c'est... L'utilisateur qui te posait problème, c'était Ananas. Enfin, il me semble que c'était ça. Parce que c'est peut-être avec lui qu'il faut faire le test, alors. Enfin, refaire le test, j'ai envie de dire. C'est pas mal, je pourrais peut-être vous en faire cahier 4000, ouais. C'est une bonne idée, ça. Oui. Je vais sur internet, je tape des. Comment ça s'appelle, tu sais, les noms. Comment on fait les noms généraux aléatoires. Aléatoirement. Les jeux de mots qu'on fait, ça s'appelle pas nous, on peut pas jouer avec ça. Monsieur, madame. Voilà. C'est monsieur, madame, en tant fils. Monsieur, madame, on me sortir le nid. Ah, bah là, tu peux y aller, là. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de faux, là, vu que. Pardon ? J'ai l'impression d'avoir quelque chose de faux vu que tout le monde a. Un film ? Enfin, que. Ben oui, enfin, toi aussi. Mais oui, mais pourquoi tu. En infini, donc t'as l'impression qu'on fait mal ?
Non, mais je sais pas, mais du coup, j'ai... T'as un doute sur tes connexions. Ouais, j'ai un doute, ouais. Mais sur quoi? Le doute t'habite? J'ai pas compris, t'as un doute sur quoi? Ouais, mais tout faire, ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Mais c'est bien. Et tu as un doute parce que ça fonctionne, oui. C'est ça? Non, je sais pas. Tu trouves ça pas ça normal que ça... Non, mais c'est ça, c'est voilà. Tu sais quoi? C'est parce que c'est trop simple. C'est pour ça. Je pense pas qu'elle ait cette prétention-là, mais ça la remet un doute. Je pense qu'elle a justement cette prétention-là. Ah non, il faut que ce soit compliqué. C'est pas normal que ça fonctionne. Non, non, il faut qu'il y ait de l'aide. C'est une femme, ça. C'est une femme, c'est ça. Oh, mais le raccourci, ça marche pas. Elle se contente. Ça va vite. Non, mais je vais essayer avec tous mes PC. Enfin, tous mes... C'est mieux comme ça? Tu les as fait sur tes deux clients? T'as fait un cercle? Sur mes deux clients? Qu'est-ce qui te chagrine? Oui. Non. Qu'est-ce qui te chagrine, Nina? Qu'est-ce qui t'inquiète? Ça fonctionne? Oui, mais c'était juste pour voir si tu te loguais partout. Non, j'ai pas essayé sur mon deuxième. Vas-y, c'était là. Non, mais. Bon, alors donc. Est-ce que c'est fonctionnel pour tout le monde? Oui. On va faire la suite. Non! Non? Bon, alors pour ceux qui souhaitent continuer, les autres faites autre chose. Voici ma problématique. J'ai un souci parce que à la comptabilité, il y a un nouveau stagiaire qui vient d'arriver. J'ai un stagiaire à la comptabilité, et ce stagiaire, en tant que stagiaire, ça m'embêterait qu'il puisse modifier le dossier compta. Je voudrais qu'il ne puisse que le lire. Je voudrais qu'il ait des droits que de lecture. Sur le dossier comptable. Voilà l'exercice. Et c'est qui le stagiaire? Vous faites un nouveau compte. Vous créez un nouveau compte au service comptabilité. Donc tu choisis qui tu veux. Dwayne Johnson. Voilà. Le stagiaire de la compta, c'est Dwayne Johnson. Moi, j'en veux être. Je veux garder les sommes, moi. Ah Ça m'enquiquine. Enquiquine. Étouffe. Ça m'étouffe. Mais dans compta, on crée un compte. Ouais, et tout, si tu veux. Ouais. Voilà, bon, moi je vais le faire. Donc voilà, l'idée, je fais un nouvel utilisateur qui s'appelle donc dans l'unité d'organisation compta. Donc son prénom c'est Dwayne Johnson. Ah bah là, je sais pas si t'as envie de lui chercher des noix à Dwayne. Dis The Rock. Et voilà l'exercice. C'est risqué les Sam. Ah oui, tu m'étonnes. Et ben l'exercice, c'est que Dwayne Johnson, je souhaite qu'il n'accède que en lecture au dossier comptable. Réfléchissez comment vous allez faire ça. Encore une fois, il y a plusieurs solutions. Hein. Faites quelque chose, mettez-le en œuvre et on voit si ça fonctionne. Il peut juste lire. Oui, c'est ce que je veux. Juste accès en lecture. Oui, c'est un stagiaire. La compta. Oui, il lit que le dossier compta. The Rock, il sait lire. Évidemment qu'il sait lire, il sait tout faire. C'est un genre de dieu vivant. C'est The Rock. Évidemment qu'il sait lire. Je crois que même c'est lui qui a inventé l'écriture, voire c'est lui qui a appris à lire à Chuck Norris. La sculpture qu'ils ont fait au musée Grévin. De qui? The Rock. Ils lui ont fait une statue de cire. Sauf qu'il était pas content. Ah ouais? Ouais. Parce que déjà elle était blanche. Il avait la peau blanche. Oui, là il y a eu une boulette. Et il ressemblait plus à Monsieur Propre qu'à The Rock. Et il était pas content. Ah oui, mais. Ils l'ont refaite, ils sont en train de la refaire. Ah, c'est chaud les trucs en cire pour que ça ressemble. Ouais. C'est tendu quoi. J'espère qu'ils lui ont fait quand même où il lève juste un sourcil. Comme il sait faire quoi. Non, je crois pas que... Le lever de sourcil à la The Rock. Je l'ai vu dans Black Adam, il est pas très fin. Ah oui, dans Black Adam, il est pas très fin. Hein. C'est sûr que. Il est plus fin dans Baywatch. Voilà, dans Baywatch, il est extraordinaire. T'as pas vu? Non. Alerte à mes goûts, Baywatch, un film à voir absolument. Oui. Absolument. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est ainsi. Ah ouais, là. Dans Baywatch, il est trop bien, c'est génial. Il est aussi bon que Jean-Claude Van Damme dans Jean-Claude Van Johnson.
Petite série sur Amazon Prime, je vous la conseille. Très drôle. Alors. T'as un compte, hein. Il y a Eva Green. Non, il n'y a pas Eva Green dans Baywatch. Mais bon, celles qui y sont, elles sont pas mal. Hein. Il n'y a pas Mela. Évidemment, il n'y a pas Mela. Alors, est-ce que vous avez une piste pour l'ami Dwayne? Oui. Ah, alors qu'est-ce que vous me proposez comme solution? De créer dans l'UO Compta un groupe marqué Stagiaire Compta. J'ai la même chose. Stagiaire Compta. Ouais. Après. Le positionner à l'intérieur. Évidemment. Tout à fait. Ouais, après. Et après, vous donnez les. Le droit en lecture. Mm-hmm. On a intégré le stagiaire dans le groupe service stagiaire. Mm-hmm. Après, dans le stagiaire. Ah, c'est ça la question, comment qu'on a fait la suite? On peut le mettre dans le groupe. On peut créer un groupe accès dossier OTA, entre parenthèses stagiaire. Quelque chose comme ça. On peut faire ça, ouais. Non, normalement c'est bon. Pourquoi non? Ah si? Oui? Non? Non, oui, j'hésite. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, normalement, c'est bon. J'explique ce que j'ai fait. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, dans le serveur 1, oui. Dans l'OU Compta, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Sametouffe. Ok. Ensuite, j'ai oublié un truc. Ensuite, dans les l'OU Groupe, j'ai fait un groupe qui s'appelle Accès Lecture Compta. À l'intérieur, j'ai ajouté Sametouffe. D'accord. Dans le serveur 2, je suis allée dans Travail. Ouais. J'ai fait clic droit sur Compta, Propriété, ouais. Sécurité, et j'ai ajouté mon groupe Accès Lecture Compta. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, j'ai oublié de modifier et j'ai oublié de mettre Lecture. Ah non, c'est déjà fait. Parce que c'est l'autorisation par défaut quand tu ajoutes un groupe dans l'onglet Sécurité. Il y a Lecture-Exécution automatiquement. Ah bah voilà, bah c'est bon. C'est déjà fait. C'est fini. T'as testé? Non, pas encore. Bah alors? Ça se trouve, tout ça, c'est n'importe quoi, puis ça fonctionne pas, puis en fait, la terre est plate. C'est du bullshit. C'est du bullshit, ce que tu dis. Faut tester. C'est une solution tout à fait fonctionnelle. Oui. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Faut, lecture-exécution, hein. Vous embêtez pas à enlever lecture-exécution. Vous êtes dans ces eaux-là, les autres? Créer un groupe stagiaire. Et toi, par contre, Nina, t'as pas créé de groupe stagiaire compta? Il fallait. J'ai pas dit qu'il fallait le faire ou pas, j'ai juste demandé ce que t'avais fait. Non, j'ai pas fait. J'ai fait au plus vite, en fait. Là, j'ai vérifié si ça fonctionne. Alors, faire au plus vite. J'ai pas fait au plus organisé. Ça se discute. Ça se discute. Est-ce qu'il faut faire plus vite ou pas? On pourrait faire un groupe stagiaire juste. De manière générale, le groupe stagiaire aura que l'autorisation de lecture du dossier pour éviter les boulettes. Maintenant, on va suivre les préconisations de Petit Topo. Voilà, est-ce que je peux faire un nouveau dossier?
Ah, c'est comme ça qu'on sait si t'as que lecture. Mais est-ce que tu peux ouvrir les fichiers des autres? Il y avait déjà des trucs dedans dans le dossier compta. Tu peux pas les ouvrir? Non, non, de ce qu'il y a dedans le dossier compta, je veux dire. Je peux ouvrir le dossier compta, je peux ouvrir le dossier Samsung à l'intérieur. Voilà. Mais je peux pas faire de, je peux pas créer de dossier à l'intérieur. Tu peux créer, tu peux supprimer le dossier Samsung? Non. Ça va, tout va bien. Est-ce que je peux le renommer? Est-ce que tu peux le renommer? On tente des choses. Non. Very good. Great. Tu veux que je t'aide, Yann? Ouais. C'est un ticket, alors. Elle est payée au ticket, hein. Je veux dire, elle paye... Tu perds pas le nord, hein. Tu perds un café, hein. Alors. T'es prêt à payer combien pour ça? Ah, il a fait John Johnson, c'est là. Et j'ai mis aussi dans le service compta. Il a fait le Dwayne. Quoi? Non, mais les profils, là. Ah bah oui, ça met toujours un petit peu de temps de créer le profil, c'est normal. C'est la base. Alors, c'est bon, elle a compris la logique du service informatique. T'as un problème? Fais un ticket. Sans pas les couilles. Samba les couilles, vous salue. Ah, vous avez un message de Samba les couilles. Et maintenant, là, Sam, bas les couilles. Ah, oui, oui, c'est bon, ah, mais monsieur, bas les couilles, encore un Sam. C'est encore un Sam. Tu mets dans ton accès informatique. Pour les autres, vous avez. C'est bon? Ouais, là, je suis en train de rentrer dans la session de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Je mets son prénom, enfin. Non, tu mets le groupe. Attends, mais je crois que j'ai. Je crois que je t'ai dit des bêtises. Attends, je regarde. Ouh là 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 là, tu essayes de l'enduire d'erreur, c'est ça? C'est moche, Tina, ce que tu fais, c'est moche, c'est moche. C'est clair, c'est pas bien. Ah bon, l'enduire d'erreur, ça va le rendre plus fort. T'es prêt pour l'onction? Elle va venir, elle va oindre ton corps. Voilà. Vas-y, enlève ton pull, la chemise, enlève tout pour qu'elle puisse oindre correctement. T'as induit en erreur. Faut que tu l'enlèves. Ah là là là. On peut pas lui faire confiance à celle-là. Oui, mais au moins elle essaye. Au moins elle essaye. Je vais où là pour t'enlever le Donc du coup, est-ce que tu l'as mis dans le groupe ou pas encore? Ah bah c'est parfait. Donc du coup, là, tu l'as. Là. Là, là, là. Non, tu l'as là? Oui. Non, le groupe. Hein. Oui. Non. Après, j'ai pas de dossier dans la comptabilité. Enfin, j'ai pas de. Comptabilité, j'ai pas de fichier à mon dossier dans la compta. Il est là. Ton dossier compta, il est vide? Il n'y a rien du tout dedans? Il n'y a même pas un sous-dossier, il n'y a que dalle? Mais comment t'as fait pour tester avec les autres comptes? S'ils pouvaient faire quelque chose dedans? Parce que je l'ai fait, mais je l'ai effacé. Ah, c'est bon. Je pensais pas. On peut les laisser, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas pensé à remettre un. Essaye de créer un. Déjà, si tu peux double-cliquer dedans, ça veut dire que tu accèdes au moins en lecture. Si je peux pas créer un fichier là. Ah bah normalement non. Tu peux pas créer un fichier. Voilà. C'est bien ça. Pour commencer. C'est pour ça. Je me dis, beaucoup de fois, qu'est-ce qui m'a lâché l'affaire? Mais bien sûr, les ordinateurs, tu sais, sont vite saoulés. Hein. Les lutins qui vivent de rue, on fait, ah, ils saoulent lui à cliquer là, vas-y, vas-y, donne-lui l'accès là. On lui donne. Ils vont avoir pitié de moi. Mais oui, ils vont avoir pitié de toi, c'est exactement ça. On fait, ah, on a pitié du S, vas-y. Ça fait 1300 fois qu'il clique, il va avoir mal au doigt. Allez, vas-y, on lui donne l'accès. Non, mais tu sais, un conflit de cliquage. Ah oui, j'ai ajouté dedans. Un conflit de cliquage. Non, là, je essaye, vas-y, vas-y, essaye. Ouais, mais là, j'en ai marre. Eh ben, ouais, ouais. Normalement, il faut que le lutin en ait marre avant toi. Tu vas le battre sur le cliquage. Dans le groupe, tu crées un nouveau. N'importe quoi. Si je mets des. Mais ça existe, ça, là. Quoi? Des souris qui cliquent automatiquement, là. Des souris qui cliquent automatiquement? Bah, on peut faire des macros, oui, logiciellement, mais mécaniquement, qui font vraiment clic, 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 ouais, seul. Hein. Il me semblait qu'il y avait des hackers ou des geekers, je sais plus. Ouais. Il fait chaud chez toi. T'as remarqué aussi, j'ai l'impression que j'ai un chauffage. Je sais plus pour quelle raison, mais ils avaient souvent un système pour que ça clique, clique, clique. C'est une macro. Ah, ça se fait. Alors après, c'est des choses que j'ai déjà vues, c'était pour soit des logiciels, ou par exemple, tu joues à un jeu, et t'as une file d'attente pour rentrer dans le jeu. Et une fois que t'es dedans, si t'es inactif, le jeu te déconnecte. Aussi,
Donc il y en a, effectivement, je les avais vus comme ça, ils avaient fait une espèce de bras en Lego, ouais, avec des moteurs. Ça faisait bouger la souris tout seul un petit peu. Ou ça faisait cliquer, mais bon, c'était des trucs. Il y en avait d'autres, j'avais vu ça. Alors je sais plus ce que c'était, c'était genre Pokémon Go. Ou un truc comme ça, ou c'était sur le téléphone. Ça faisait swipe automatiquement. Ouais, pour chasser, ça chassait tout seul le Pokémon. Mais voilà, c'est des bricolages quoi, c'est pas... Vous avez signé pour cet après-midi d'ailleurs ? Oui. T'as rien, t'as pas vu, elle est pas là. T'as rien vu ? Elle arrive pas de revenir en plus. Qui ça ? Brigitte ! Exact. Brigitte revient tout le temps ! Voilà, tu fais modifier. Sur les écrans, sauvez-nous ! Sauvez-nous de Brigitte, on n'en peut plus ! Tu fais modifier ? Oui. Et là, tu ajoutes du coup ton nouveau... Ouh, mais tout le monde a signé en plus, c'est bien ça. C'est normal ça. On peut éteindre. Ouais, bah vas-y, non, mais éteins le chauffage. Mets la clim plutôt, mets-le en froid. T'es bien sûr ton administrateur, ton domaine. Oui. On va vérifier ça. T'as pas vu quoi, ça fait rien. Qu'est-ce qu'il a, Nardine, ce stagiaire là? Nardine. Ça va, il faut un numéro. Ça, c'est... Ah, ça, c'est pas changer de prix. Hein. Ah non, mais ça, c'est sur serveur 1, Nina. Mais non, c'est 0 de prix. Ah, mais oui. Non. Non, mais même. Peu importe. Gaël, où, t'as pas signé hier matin? Enfin, moi, je le vois pas. Je suis pas là. C'est hier? Ouais, hier, le 14. Je te l'ai réactivé. S'il te plaît. Mais c'est pas ça marche. Tu te ramènes? Si, mais j'ai pas la ligne que je prends en tête. Mais. Tu connais, toi? Marche. Je suis pas sûr que t'aies raison là ce soir. C'est juste ta lecture. En fait, il y a plus de 1. Et autre utilisateur. Tu dois pas pouvoir. Non, il y a un slash avant. Non. C'est censé que tu. Parce que toi, tu n'as pas fait un sous-groupe qui slash. Ah si, j'ai fait un slash. Anti-slash. Un groupe de slash. Celui-là. Donc là, il est là. Donc là, il est là. Donc le stagiaire en dessous. Non, stagiaire en dessous. T'as pas déroulé les... Les... Le affichage du contenu. Et le dessin. L'écriture, là. Attends. Qui est en face de qui? Et afficher du contenu, lecture. C'est pas ça. Donc j'ai mis affichage du contenu un peu en plus. Non, C'est dans le dossier local. Oh, là ça a marché, t'avais raison. Retourne sur SRD. Règle numéro 1, Nina a toujours raison. Bien sûr. Ça, ça dépend. Oh, le lamelonite, le moulard. Ah bah ouais, demain matin c'est elle, c'est sûr. Oh, les chevilles qui orment. Non, mais j'avoue, bien. Non, mais je... Ah, en plus, il est d'accord, tu peux y aller. Non, on va finir l'exercice avant que je pose la question. Ah, parce que ça me donnera peut-être une idée pour l'exercice d'après, hein. Fais gaffe. Hein. Je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. Je veux dire, ah, c'est bientôt l'heure de la pause, là. Là, il faut c'est juste quoi, ça fonctionne, on fait la pause. Là, c'est bon, là. Donc après, je fais OK. OK. Et ensuite, et je vérifie. OK, et maintenant, t'as plus qu'à vérifier. Merci Nina. Alors Nina, c'était quoi le problème? Mais tu veux que je t'aide à régler le tien? Moi j'ai aucun problème moi. Non, le problème en fait c'est qu'il était... Bah je sais pas si c'était ça le problème ou pas. Non mais dans tous les cas, on a recommencé, on a... En fait il avait mis un groupe dans comptabilité. Et du coup, en gros, je pense qu'en soi il pouvait le faire, mais moi... je lui ai fait créer son utilisateur dans comptabilité et ensuite dans groupe, je lui ai fait faire un groupe avec accès stagiaire compta dans lequel j'ai mis du coup son utilisateur et ensuite on est parti dans son serveur 1, on est parti dans les propriétés et là il nous demandait un accès réseau, tout ça,
Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu es bien sur l'administrateur du domaine? Déjà, et du coup, il n'était pas sur l'administrateur du domaine, donc il s'est mis sur l'administrateur du domaine. Très bien. Et c'est ça, en fait, que tu voulais demander. Est-ce que ça a une influence sur le fait que tu sois connecté sur... Non, ça, tu me l'as prouvé par A plus B qu'il fallait que je me mette sur l'administrateur du domaine. Ma question, c'était pourquoi Brigitte revenait sans cesse. Et elle revient où? Revenez là, il faut que tu sois plus précis. Pourquoi elle revient à la porte? Elle toque? Bah parce que c'est un fantôme, c'est une revenante. Elle est décédée. Elle ne supporte pas la rupture. Mais attends, on est dans un constat. Parce que Brigitte, elle est décédée depuis fort longtemps, mais c'est un fantôme, c'est un revenant. C'est une revenante. C'est pas normal qu'elle y soit dans administration. Dans. Je comprends rien ce que tu es en train de dire. Dans administration? Dans quoi? Tu dis, elle revient où? Dans quelle interface? À quel endroit? Dans l'onglet sécurité? Je sais pas, hein. Bah non, je sais pas. Tu me dis, elle revient, c'est pas assez précis ça. Dans l'explorateur de fichiers. Dans le dossier administratif et dans l'onglet sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce dossier administratif? Alors, administration. Qu'est-ce que c'est que ce dossier administration? Je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne m'es pas dit, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce dossier administration dont tu parles? Pardon, je me suis trompé. Oui. Comptabilité. Ah, donc le dossier comptabilité, oui. Dans l'onglet sécurité. Oui. Je le fais en même temps, comme ça, je ne vais pas y aller. Vas-y, fais-le en même temps. Eh bien, il y avait des noms de groupes, et dedans, il y avait Brigitte. Il y a... Alors, j'aimerais bien que tu n'utilises pas le passé. Il y a des noms de groupes dans l'onglet sécurité du dossier compta. Il y a accès dossier compta, par exemple. Il y a système, il y a administrateur. Non? Alors, ne touche à rien, là. Je vais aller jeter un coup d'œil de ce que tu me parles. Je me suis connecté avec... mon domaine d'admin, j'ai des nouveaux trucs qui sont apparus. Des nouveaux trucs carrément? De quoi tu parles? Tu me fais des frayeurs là. Ouais. Tu me froisses dans le dos. Donc là, t'es écran de droite. J'arrive, ne touche à rien. Donc tard. Move. J'ai tout supprimé. Ah, alors attends, t'es sur le propriétaire. Voilà, onglet sécurité. Y a plus de traces. Ah, c'est ça que t'as fait? De quoi? Douane? Oui. Non, Zwen, on vient de le faire. Là, on vient de le faire. Alors, ouais. C'est très cocasse. Parce que, de ce que je vois là, c'est Nina qui t'a fait faire ça. Oui, mais on a peut-être c'est... pas été jusqu'au bout de l'exercice. C'est très cocasse parce que c'est pas ce qu'elle a fait, elle, sur sa machine. De quoi? Elle t'a fait faire autre chose. T'as fait un groupe service, toi. Elle? Oui, elle avait fait un groupe. Mais là, il n'y a pas le groupe. Mais si. Non. Mais si. Non, c'est un... Alors, ne touche rien. Est-ce que tu peux lever les mains, s'il c'est te plaît? C'est un utilisateur, c'est pas un groupe. Voilà. Dans l'onglet sécurité de son dossier comptabilité, est-ce qu'il y a le groupe des stagiaires? Non, il y a Dwayne Johnson. Non, il y a le compte utilisateur du stagiaire. Il y a Dwayne Johnson. Ah, or, Nina, toi, tu nous as dit, faut ajouter le groupe. Oui. Donc là, il n'y a pas de groupe. Mais oui, j'ai pas vérifié. Donc, c'est pas la même chose que ce que tu as fait. Stagiaire, machin. Compta, voilà. Et là, c'est Dwayne Johnson. Donc, je vire Dwayne. Voilà. Non, le vire pas, le vire pas. Le vire pas, le vire pas. Mais vous battez pas, hein. Le vire pas. Oh, c'est qui qui commande ici? C'est faut jamais déjà supprimer Dwayne Johnson. Ça jamais, c'est une règle absolue. Sinon, il arrive. Ah, bah là, il pourrait arriver. Tu sais, il lève le sourcil et là, ça va mal se mettre. Mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que ça fonctionne, ça? C'est-à-dire, tu as testé, tu te logs sur un client avec Dwayne Johnson, et est-ce que tu accèdes au dossier comptabilité? Uniquement en lecture. Attends, je connais par cœur. T'aurais pu faire les choses bien, Nina. Quoi? T'aurais pu faire les choses bien. Mais alors, moi je trouve que c'était. C'est assez cohérent parce qu'elle a dit qu'elle a. C'est la crédibilité de la personne qui le fait. Elle a dit qu'elle l'avait enduit d'erreur. Et c'est tout à fait vrai. Ou pas? Parce que la question c'est est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui. Moi, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé qu'il y a un stagiaire et que le stagiaire accède qu'en lecture. On va voir ça. Et voilà. Maintenant, on peut discuter dans le futur si on a plusieurs stagiaires, si on veut changer les choses. Voilà. L'exercice était, il faut que Dwayne Johnson accède qu'en lecture au dossier compta. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que c'est la meilleure solution qui a été mise en place? Est-ce que c'est la plus souple? Est-ce que c'est la plus rapide? Est-ce que c'est celle qui durera dans le temps le plus? On verra.
On va en parler. Mais d'abord, je veux vérifier si Dwayne Johnson n'accède qu'en lecture d'un. Faudrait déjà réussir à se loguer avec Monsieur Johnson. Non, Johnson, ça fonctionne pas, ça se log pas là. Il y a un problème. Dwayne, qu'est-ce que t'as. On avait dit que normalement, les noms d'ouverture de session, c'était le nom de famille. Je ne suis pas sûr que Dwayne soit son nom de famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, sérieux. Ah non, c'est pas ça. Ah, va, retourne sur ton serveur. Non, mais. Et je suis celui-là sur le. Non, t'es sur le client 02. Non, sur mon écran de gauche, je suis sur ça. Ah, bon. Alors, on change d'écran. On va déjà vérifier. Tu peux aller dans l'onglet compte, s'il te plaît? Non. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Retourne dessus, là. Retourne sur ton domaine. Va dans l'onglet compte. Le nom de login, c'est Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Donc déjà, c'est J-O-H-N-S-O-N. J-O-H-N-S-O-N. Et le mot de passe. Ah, si tu mets tout le temps le même mot de passe, ça devrait aller. Non, je sais pas, je change. Mais pourquoi tu fais ça? Mec, il a l'application. Non, mais je l'écris à chaque fois. Pourquoi tu fais ça? Mes passwords compliqués à chaque fois pour tous, tout le monde. Et ça fonctionne tout le temps. On a autre chose à faire que de mettre des mots de passe différents des comptes utilisateurs. S'il te plaît. C'est long, hein? C'est pas normal, ça va dire non. Ah, ça sent pas bon cette affaire. Hein. Allez, vas-y, retourne sur ton contrôleur de domaine là. Non, mais t'as pas d'autres stagiaires, c'est Dwayne Johnson qu'il faut. Non, tu vas réinitialiser le mot de passe de Dwayne Johnson, s'il te plaît. Fais annuler là. Allez, tu fais annuler, tu fais OK là, fais ce que tu veux. Tu vas dans l'unité d'organisation comptabilité. Tu fais clic droit de souris sur Dwayne Johnson. Réinitialiser le mot de passe. Non, tu vas. Ah putain! Tu mets pas P majuscule arrobase de ZW0RD, s'il te plaît. Non! Si! C'est de la merde à écrire. Oh. Tu fais aussi... Ouais, mais au moins, on s'en souvient. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, quoi? Mais il c'est simple. Enfin, de changer le mot de passe. De réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur, c'est aussi simple que clic droit de souris, réinitialiser le mot de passe. T'as jamais dit que bah oui, narcissique. Bah on l'avait dit, là, je vous l'ai montré avant-hier. Tu l'as peut-être pas fait. Bah vas-y. Et il remet un autre mot de passe. Hein. Ah ouais, je l'ai vu. Il est plus têtu qu'un bourrico. C'est basse-foi, c'est celui que tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu le notes? Parce que. Allez, vas-y, remets password là, vas-y. Je vais aller regarder ton clavier là. Et tu me décoches bien la case, l'utilisateur doit changer de mot de passe. Allez, vas-y, ok. Allez, go, retourne sur ton client. Ça perd l'hypopiète. Mais tu vas me lâcher un sourire? Merci. Allez, je suis obligé de changer d'écran tout le temps là. Allez, Johnson. On va y arriver, hein. Ça va tout de suite plus vite, hein? Oui, mais alors il faut aller chercher l'arrobase, mettre le P majuscule, après il faut aller sur le O, le 0. Ouais, mais au moins ça fonctionne. Qui 19 arrobas, c'était mieux. Ah oui, bah apparemment non. Bah non, je sais. Mais apparemment non. Parce que quand je l'ai créé, je l'ai pas noté. Eh bah voilà, c'est la boulette. C'est un peu l'histoire de la clé avec le cadenas et le cadenas avec le code. C'est-à-dire? T'as les cadenas avec des codes. Oui, il y a des cadenas avec des clés, ouais. Si tu perds la clé, voilà, mais le code, si tu l'as toujours en tête, c'est bon. Ah oui, mais si tu oublies le code. Si tu oublies le code, c'est pareil. Niqué. Non. Bah là, la preuve, hein, je crois que t'avais oublié le code. Hein. Si, c'est la même chose. Allez, vas-y. Tu rentres pas le cadenas, tu parles. Allez, go, go travail. Bah oui. Windows R. T'es foutu. Alors, moi, est-ce que t'as communiqué le code? Comment ça, Windows R? Bah t'écris, tu fais ouais. Windows R et t'écris anti-slash ouais. Serveur 2. C'est chelou cette histoire. Ah non, mais pourquoi t'effaces? T'avais écrit ta. Je comprends. Ouais, je voulais aller directement ailleurs. Mais tu peux pas aller ailleurs, c'est travail. Oui, c'est vrai. Allez. Là, tu les colles pas, t'es comptabilité. Essaye de supprimer bulletin de paye. Essaye de créer un dossier, ça va plus vite. Allez, allez nouveau. Non, nouveau. Quand tu me parles, je veux voir tes PC. Ah, nouveau dossier. Document texte. Voilà, t'as pas le droit, super. Mais chez vous, non? Est-ce que tu peux essayer d'aller dans un autre dossier que comptabilité? Ah ouais, ça fait bizarre. Informatique. Moi, non, parfait.
Production, non, parfait. Ressources humaines, non, parfait. Super, pause, allez. Café, thé, chocolat, on y va et puis on discutera tout ça après la pause. Allez, à plus. Merci, Nina, merci, Christophe. Oh, désolé, je t'ai plus.